Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, ouais, salut, les joies de Windows. Non, mais c'est clair, hein, faut vraiment que ça me prenne maintenant, quoi. Ouais, donc désolé pour le petit retard. En fait, c'est juste mise à jour de l'ordi et tout. Donc, du coup, voilà, j'étais prête, franchement, j'étais prête en plus. Pour une fois. Voilà, je vous ai envoyé le tweet en plus 10 minutes avant et tout. Ouais, non, mais ouais, je pensais être prête. Du coup, bonjour, bonjour Maloulou, bonjour Bigfoot, comment vous allez? Ça va, vous allez bien? Je voulais commencer le stream par LOL. LOL, avec les mesures pour les écoles, LOL. Enfin bref. Voilà. Bon, bah écoutez. Ouais, bonsoir Batou, comment ça va? Comment vous allez? J'ai l'impression d'être HS. Non, c'est bon? Mieux, ok. Attendez, hop là. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Allez, ouais, bonsoir Batou. Ça va, vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Ok, donc aujourd'hui, donc je vous propose de faire un. Donc c'est plutôt un thème, hein, jeudi soir. La semaine dernière, on avait fait Harry Potter. Donc là, du coup, on est sur Seigneur des Anneaux. La semaine prochaine, on fait bébé, on fait les friandises bébé. Donc du coup, là, on va vous préparer. Donc je vous ai mis sur le menu. Ah mince, on voit encore pas. Oh là là, c'est relou. Comment ça se fait? Attendez. C'est quoi? Alors attendez, je regarde. Je sais pas si décidément, la technique, au secours. Du coup, mince. La taille, elle est où? Attendez, les gars, je suis désolée. Bon, attendez, c'est pas grave. Donc, du coup, c'est pas grave. Je vous explique ce qu'il y a au menu. Le truc, je vais juste regarder la clic droit. Ouais, elle va toucher un truc. Ouais, elle va tout casser. Je vous promets, j'ai juste pas envie de toucher. Ouais, j'ai pas envie de toucher. Non, mais merci. J'ai pas envie que ça passe comme la dernière fois. Alors, attendez. Hop. À gauche, non. Ouais. Attendez, je diminue, on va voir si ça marche. Mince, ça a agrandi le truc. Bon, alors, attendez. Hop. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave, vous la voyez à moitié coupée. Là, j'ai pas envie de toucher en plus, j'ai pas ma souris et tout, donc il faut écrire en elfique. Ouais, je sais. Ben, justement, donc oui, tu fais bien d'en parler. Donc, du coup, j'ai regardé hier en rediffusion les. T'as vu la kettle? Non, mais la kettle, quoi. Non, mais je suis d'accord. Salut, Damchine. Salut, les globules blancs. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, donc c'est bien que tu parles du truc, de truc elfique. Donc, l'anneau. Donc, on va faire un anneau. Vous savez, hier, on a fait la. Je vous ai dit la pâte sucrée coco. Du coup, je n'ai pas du tout travaillé. Je me suis dit, on va faire l'anneau avec ça. J'ai de la poudre dorée et tout. Et dessus, on va écrire en elfique. Alors, autant vous dire que ça va être le moment du stream que je vais pas kiffer du tout. Vous savez, quand c'est fin et qu'il faut être appliqué, je suis pas sûre en fait. Voilà. Bon, en tout cas, on va faire les lambasses. Donc, du coup, on a nos feuilles de bananier. Bonsoir Vince, le Hobbit. Ouais, comment tu vas? C'était un très grand moment. Ouais, merci Batou. Mais t'as vu, en deux temps, trois mouvements, c'était fait, hein. Oh, l'ouverture de la noix de coco, quoi. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc, notre pâte à sucre, du coup, on va essayer de la travailler pour faire un anneau, en fait. Donc, ça sera sucré. Donc, ensuite, les lambasses. Bah, du coup, j'ai fait aussi version sucrée, en fait, pour les lambasses. Bonsoir Valdarion, comment ça va? Bonsoir Bardino, comment tu vas? Tu me fais trop rire avec tes photos. Salut Tiven. Bonsoir Gardi, bonsoir à tous. Ouais, c'est reparti pour la rigolade. Merci, c'est gentil. Bon, bah du coup, après, on prend un fish and chips. Bon, ok, c'est pas très healthy. Mais du coup, en fait, en plage, je savais pas trop quoi faire. Ouais, donc j'ai voulu rester un peu dans le thème un peu anglais. Donc du coup, on va faire des potatoes. Et pour le dessert, on va faire l'œil de Sauron. Attention. Donc on aura l'œil de Sauron et l'anneau. Donc normalement, c'est bon, on va rester quand même fidèle. Hein. Ça va, tu es pas lassée de toutes ces photos? Non, pour l'instant, c'est le début. Ouais, les lambasses. Ouais, le pain il fixe qui leur donne de la force, vous savez. Quand c'est. Comment il s'appelle? Légolas. Ouais, quand il a son petit pain. Pour ce soir, j'ai fait de. Ah, t'as fait de la moussaka. Ça, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Ouais, c'est cool. Bon, bah voilà. Donc, du coup, je vous propose de partir. Donc, pour la pâte, on va partir. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai quand même préparé juste la base. Alors, je vous montre. Pour l'œil de Sauron. Parce que du coup, le crémeux, en fait, hier, vous avez vu, il n'était pas prêt. Donc, j'ai préparé juste la base la pâte à gâteau. Du coup, je vous montre. C'est un peu cramé. Comme en fait, j'étais en train de faire cuire mes betteraves et du coup, ça a cramé. Bon, bref. Ça a un peu chauffé, hein, mais on verra rien de toute façon.
Non, c'est pas les gambas avec l'haltère, Steven, je pense que ça va être compliqué. Ouais, donc du coup, en fait, donc j'ai fait la base. Là, on va faire la mousse, donc orange, en fait, couleur orange, comme ça on a un petit peu la couleur, vous savez, orange de l'œil de Sauron. Et après, on fera du chocolat noir par-dessus. Donc pour le chocolat noir, je me suis cassé la tête pour trouver un emporte-pièce et j'ai trouvé les emporte-pièces pour bébé de la semaine prochaine. Donc du coup, on va utiliser le poisson, on va le mettre là pour faire l'œil. Voilà. Voilà. Non, pas encore, Baloulou. Non, 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 non. Je pense que ça sera très bon. Attendez. Le pain de figue, un petit bout, c'est assez nutritif. Ouais, bah oui, oui, je sais, ouais. Ouais, je sais, le bardino. Ouais, je sais. Je vais faire attention. Non, non, mais du coup, voilà. Voilà pour le programme. Et bonjour, pousse de bambou. Hé, salut, bonne année, du coup, bonne année. Ouais, ça va? Il est là, il est là. Bon, allez, du coup, on y va, on va faire la mousse. Alors, je tiens juste à vous préciser que le petit dessert hier à la noix de côté, ouais, à la noix de côté, oh là là, à la noix de coco, il était super bon. Bon, sur la photo, et la gelée de coco, mais la gelée de coco avec la pâte de crevette. Donc, la pâte de crevette était un petit peu trop dense, je pense qu'il faut que je la travaille différemment, mais c'était super bon avec la petite pointe de citron vert, c'était juste trop bon. Et le dessert, il était à... Bon, les petites boulettes aussi, rhum coco. On sentait un petit peu le rhum, mais pas tant que ça. Du coup, mais c'était bon. C'était pas très bon, c'était bon. Et par contre, le petit dessert, ah là là, c'était super bon. Coucou Batou. Il s'est fait chier à la jeter dans la... Ouais, mais grave, Batou. Ouais, c'est les muscles. Bonsoir, Scar de la Mort, comment ça va? Bonsoir, vétéran Dédé. Non, je t'en prie, merci. Mais merci à toi de venir. Les Nazgûl en PLS. Ah, tu trouves le Bardino? Ouais, bon, j'essaye de m'appliquer, du coup, je vous ferai un petit feedback, parce que du coup, je suis rentrée de, soi-disant du test, je vous dirai, en fait, j'ai mal compris. Voilà. Donc voilà, on va juste lancer la mousse, et la mousse, ouais, on va faire un crémeux orange, et puis voilà. Et puis après, je ferai tchatcher. Donc après, non, on va faire quand même mettre les potatoes au four, hein, du coup, parce qu'il faut faire 25 minutes à peu près. Les caractères ne marchent pas. Ah mince, tu voulais faire elfique? Ouais, franchement, s'il y a un truc où je suis nulle, c'est ça. Ouais, j'essaye de m'appliquer, tu sais, Bardino, mais c'est très récent, hein, parce que tu regarderas au début, c'était pas comme ça les photos. Hein. Bonsoir, Doc Pepper, comment tu vas? Ça va, vous allez bien? Tu vas bien? Même pas un orque en photo. Ah ouais, mais les orques, c'est méchant en fait. Les orques, c'est méchant. Du coup, ah, t'aimes bien les orques? En plus, je les trouve pas beaux. Bon, on va pas dire que Gollum, il est très beau non plus, mais ouais. Le pudding de dragon, je connais pas. Bonjour Monsieur Fabuleux. Le pudding de dragon. Ça biche. Ouais, ça va, merci Doc Pepper. Ouais, j'ai adoré hier soir. Tu aurais pu te déguiser. Ben justement, en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait une tenue particulière que j'aurais pu mettre? Et en fait, j'ai pas vu, je voyais pas. Et autant vous dire que j'ai que du noir. Bah, vous savez, hein, que je que du noir en vêtements. Donc ouais. Joss Manu au grand pied et Bali Balo. J'ai adoré. Ouais. Oui, voilà, sorti de son contexte, Doc Pepper. Du coup, le crémeux, donc on part toujours sur la même base. Donc, du coup, j'ai pris mon lait. Il y a 50 centilitres à peu près. Bon, on va prendre la casserole. Voilà. On va faire bouillir le lait avec un petit peu de crème. En fait, c'est la base aussi pour la glace. Ouais. Comme ça, on mange, c'est bon. J'ai les quantités maintenant. Il n'y a pas de souci, hein, ce que je vous dis. Hein. Maintenant, c'est hop, hop. Je cuisine, hop, hop. J'ai envie de faire un truc, hop, hop. Pour les trônes en lait. Ah oui, bah oui. Du coup, on part sur, donc sur la crème à 4%. Bon, je vais pas vous refaire le topo, hein. Voilà, donc si on veut un petit peu alléger. Bonjour Léo Guest. Ouais, salut. On voit mal ton menu à gauche. Ouais, je sais. Attends, j'ai essayé de le déplacer là. Mais attends. Alors, je refais une tentative. Vous m'accordez 2 secondes. Hop. Ouais. Non, je vais l'élargir en plus. C'est bon, ça refait. Là, ça bouge. Ouais, je crois que je suis en train d'élargir. Ouais, Ah, c'est le cadre, il faut que je récupère. Non! Arrête de toucher! Les gars, je vais arrêter de toucher. Ouais, je vous dis, j'ai pas la souris et tout, c'est laissé tomber, quoi. Ah non, attendez. Hop. Dernier essai. Non. Attendez, dernier essai. Allez, décale-toi. C'est bon, là, ça se décale, hein? Ouais. Hop là. C'est bon, on y est, non? Attendez, je vois pas. J'appuie. Ok, on y est ou pas?
Non, j'écris trop en gros. Non, mais laissez tomber là, c'est une cata. Bon, c'est pas grave, vous avez le menu à peu près. Bon, allez, l'œil de Sauron, vous avez le fish and chips et l'anneau, c'est bon? Bon, on planche sur la fin de repas. Non, 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 bonjour Fichu, comment ça va? Je kiffe des mains entre Gimli et Legolas. Oui, grave. Gimli, ouais, Gimli, bah, Gimli, il est fort aussi, hein. Ça se décale pas, ça s'étend. Ouais, donc et du coup, donc ça fait pas bien sur l'écran. Bon, attendez, je vais annuler ma connerie. Bon, tant pis les gars, je vous dis ce qu'il y a. Mais attendez, position. Ah oui, position. Et là, ça fait quoi? Voilà, là, on est bien. Mais du coup, je voudrais qu'il aille à droite. Allez. On va être bon, on va être bon. C'est bon, on est bon là. Hein. Donc, c'est bien, vous avez le truc en. C'est bon, on est bon là. Allez, hop là. Ouais, ça y est, vous avez le menu, c'est bon? Yes! Ouais, ça fonctionne, ouais. De toute façon, c'est un repas dans. Ouais, Gollum mange un poisson cru. Oui, ça va vite, ouais, c'est vrai. Il y a du poisson au menu. D'ailleurs, nous parlerons du cabillaud. Le voisin t'a pécho. Non, monsieur Fabuleux, c'est bon. Le voisin, il m'a foutu la paix, en fait. Il m'a foutu la paix et je vous promets que je ne veux même plus le voir. Non, franchement, il m'a. Ouais, bref. C'est pas grave. Bah, il m'a dit non, en fait, le voisin, il avait un souci, en fait, sa télé était en panne. Donc ce qui a valu en fait 10 appels en absence pour que parce qu'il voulait que je vienne l'aider en fait. Et du coup en fait donc je l'ai eu au téléphone. Je lui avais dit 21h, à 20h58 j'avais encore 2 appels en absence, qui faisait 12 appels en 1 heure, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Et donc en fait c'était pour que je l'aide parce que bah, il y a des gens à côté qui ont installé SFR. Enfin, la fibre optique ou je sais pas trop quoi. Et du coup, ça a coupé l'antenne de sa télé. Donc il pensait que j'allais régler moi le souci, en fait. Faut aller lui péter les genoux. Voilà, donc du coup, enfin voilà, donc le soir même, j'ai été gentille, je lui ai dit, ok, d'accord, je vais voir en fait ce que je peux faire et tout. Ouais. Et en fait, dès le lendemain matin, à 7h, je vous avais dit à 7h, à 7h20, le gars, il m'appelle, quoi. Et je me suis dit, mais entre 21h et 7h, tu crois que j'ai fait quoi, en fait? Enfin, je sais pas. Bon, bref, donc du coup, on lance notre. Voilà, donc du coup, il m'a saoulé. Ensuite, il a alerté tout l'immeuble. Donc j'ai eu le droit à. Alors, attendez, j'ai eu le droit à. En plus, c'est comme si c'était de ma faute, et du coup, c'était même pas de ma faute. J'ai eu le droit à un appel d'un autre voisin. Oui, vous pouvez l'aider. Je me suis dit, mais vas-y, toi, aide-le, quoi. Enfin, voilà, bref. Voilà. Parce que tu répares aussi les télés. Ouais, t'as vu, hein? Bonsoir, McLovin, comment ça va? Il voulait te montrer son port HDMI. Excellent, dame Chine. Moi, j'ai poussé des vieux dans les escaliers. Ouais, avec mon alter, c'est exactement. Ouais, c'est un vieux, ouais. Il a 75, 74, 75 ans, quoi. C'est quoi ce. Non, mais c'est clair, Bardino, c'est clair. Et donc, vous avez vu, en plus, je vous ai dit, enfin, dans le moment du stream, je me suis dit, si c'est urgent, il vient taper à la porte. Et du coup, c'était vraiment pas urgent, quoi. Ok, il appuie sa télé, bah, tant pis pour toi, enfin, j'ai rien fait, moi. Maya multitâche, ouais, complètement, ouais. C'est Maya la rescousse, en fait. Tu veux qu'on. Non, c'est bon, dame Chine, laisse, j'en ai fait mon affaire, en fait, du coup. Alors, je vais pas faire un saumon frétillant, fichu, on va travailler le cabillaud. Donc, on va faire un cabillaud qui va être. Alors, c'est la seule partie qui sera pas ici, parce que du coup, on va faire des potatoes, mais ça ira au four. Le lambas, je vous dirai ce que j'ai mis dedans, j'ai préparé les ingrédients. L'œil de sauron, je vous dirai pareil, c'est elle-ci et tout, mais bon, voilà, en petite quantité, hein, toujours. Hein. Et comment tu as la recette du pain elfique? Alors, McLovin, en fait, tu tapes lambas, tu sais, sur internet. Du coup, en fait, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme ingrédients. Alors, je vais te dire ce que j'ai vu la recette, un colin frétillant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, en fait, le lambas, donc, il y a de la farine, poudre d'amande, il y a de la cassonade, il y a du beurre, de la vanille et du miel. Et du coup, j'ai fait mes petits ajustements à moi. Donc, du coup, en fait, on va faire le pain elfique, le mien. Je suis désolée. Voilà. Donc, nous, on va pas mettre de la farine classique. On va mettre la farine de noisette. En fait, je l'ai préparée. Vous savez qu'elle est protéinée à 30 grammes. Donc, du coup, on va mettre ça. On n'a pas besoin que ça gonfle. Hein. Donc, la farine de noisette, ça sera très bien. J'ai pris la poudre d'amande. La cassonade, je l'ai remplacée. En fait, du coup, la cassonade, je voulais pas prendre le sucre de coco parce que le pain, il est quand même plutôt blanc. Donc, du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mettre que du miel. Voilà, donc voilà, c'est mon truc. Ouais, ça marche, chef Berdino. Ouais, ça marche, bonne soirée. Et puis le burger, hein, tout à l'heure. Burger même. Un coup de rouleau à pâtisserie et à faire régler. Ouais, c'est ça, Voldarion. Non, je vais quand même rester un petit peu. Voilà. Et donc, bah, il a continué à me. Bah, jusqu'à. Il m'a même laissé un appel en absence. Oh, merci. Oh, merci. Merci, Bigfoot. Ouais, coucou. Attends. Donc, Bigfoot, ouais, donne.
Ah, t'as donné un don. Merci, merci pour le don. Merci Bigfoot. Frodon sort pas de la comté. Au contraire, il aura plein d'énergie, il aura plein de protéines et ses muscles seront bien blindés. Alors que du coup, avec l'autre pain elfique, du coup, il aura moins de nutriments. Là, il y en aura beaucoup plus, donc il aura beaucoup plus de force. Et voilà. Un Colin pour les gouverner. Ouais, c'est clair. Donc le voisin, c'est Seb. Non, je crois qu'il sait pas que je stream. En fait, il y a personne. Bonsoir Sultan, comment tu vas? Je peux utiliser les points de calories? Mais oui, mais fais-toi plaisir, tu les utilises quand tu veux. Ouais, quand tu veux. Et d'ailleurs, faut que je vous dise quand est-ce que vous êtes programmé et tout. Hein. À partir de la semaine prochaine, donc mercredi, on fait le nougat. Le dimanche, on fait le poisson de Doom. J'ai autre chose de programmé. Attendez, j'ai le wasabi. Donc wasabi, en fait, du coup, Damshin, mais va-t-elle arrêter? Donc Damshin, en fait, j'avais un stream de saumon qui est prévu, mais du coup, le wasabi, ça va être super bien avec le saumon. Donc du coup, on va travailler le wasabi avec le saumon. Donc du coup, je vais regrouper tout dans ce stream-là. Voilà, donc je vais vous dire quand est-ce qu'on fait ça. Et il a fait quoi? Bah, McLovin, en fait, il m'a harcelé. En fait, il m'a harcelé au téléphone, il a appelé d'autres voisins et tout. Je me suis dit, non, mais ça va pas bien. Parce que comme enfin, après, je lui répondais plus, en fait. Ça, c'était quand? C'était mardi. Mardi, il m'a appelé, j'étais à l'école, il m'a appelé à 7h20. Il m'a appelé à 8h15, il m'a rappelé le midi, deux fois le midi. Voilà, j'ai dit c'est bon, il me lâche, et donc du coup, voilà. Voilà, donc du coup, là, le voisin, je veux plus. Et donc, il a demandé à un autre de m'appeler, enfin bref. C'est pas moi hein, qui a installé la fibre, hein, on est d'accord, hein, c'est pas moi. Hein. Pariez pas, mais triche sur les résultats. Bien vu, Scar de la mort, salut Jérém, comment ça va? J'ai mes béquilles, attends, j'ai mes béquilles bariatriques, son genou va... Ah, Tatawine. Tiens, Star Wars, c'est vrai, on peut faire un stream Star Wars. Ouais, je veux bien. Nils, une application gratuite co-conçue par des étudiants pour des étudiants désireux enfin trouver l'orientation qui leur convient. Ok, alors attends, merde, désolé. Oui, Damshin, je me suis dit, attends, c'est bizarre. Il y a la boussole. Ok, donc du coup, on va récupérer notre jaune d'œuf. Ouais, ça va, Jérém, merci. Ouais, il y a la boussole pour trouver l'orientation. Ouais. Attendez. Ouais, il y a le lait qui est prêt. Mais comme ça, du coup, bon, on va faire notre mousse, le blanc. Je récupère le blanc. Mon petit jaune, tu viens avec moi. Voilà. Et donc, là, qui installe la... Non, c'est même pas moi. Mais c'est ça, le pire, c'est que c'est même pas moi. Moi, j'ai pas encore... J'ai pas la fibre, en fait. Ouais, j'ai pas du tout la fibre. Mais je vais peut-être changer, parce que du coup, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. Et la voisine, depuis qu'elle stream, elle consomme toute la fibre. Tu crois? Ok. Alors, du coup, on va fouetter. Oui, c'est clair. Mais non, parce que c'est une antenne télé. Donc du coup, lui, c'est la télé qu'il a. C'est même pas Internet, en fait. Ta recette du lapin, quand Gollum, il tue le lapin. Ah oui, non, le lapin, je prends pas, McLovin. Non, non, le lapin, c'est trop mignon. Ah non, non, non. Non, c'est pas grave. Non, t'inquiète, dame. Moi, non, t'es pas un boulet. Au contraire, c'est rigolo. Télétravail, mais on fait aller. Ah, Jérém, ok. Ok, bon, on y va. On va verser nos clés. Voilà, donc on va... Hop. Bah, je remélange comme d'habitude. Voilà. Je vais peut-être pas trop en faire parce que. Ok, et donc du coup, j'attends de reprendre. Attends, ça a rien à voir. Ben oui, c'est ça en fait, de Baloulou. Mais en fait, c'est le gars qui a installé la fibre, le locataire qui a installé la fibre. Ouais, et aussi, c'est parce qu'il n'arrivait pas à joindre le locataire. Mais du coup, enfin voilà, enfin. C'est pas mon souci en fait. Hein. Donc voilà, bon bref. Hein. Voilà. Alors, donc on a de la crème à 4%, on a notre lait. Du coup, on va mettre. J'ai une orange, nous allons faire un petit point nutrition sur l'orange. Ça donne envie de goûter tes recettes? Ouais, merci, c'est gentil, Jérôme. Alors, hier, voilà, juste pour redire, en fait, la gelée de coco, franchement, j'étais trop contente. Bon, je vous ai caché un petit peu parce qu'il y avait des petits défauts, donc du coup, j'ai caché avec un petit copeau de coco, mais c'était super bon. Et les petites boules aussi, les petites boules pour l'apéritif et tout, c'était bon. Et le dessert, c'était trop bon. Coucou David, comment ça va? Ouais, une petite breaking news. Oui, c'est trop mignon les lapins, donc du coup, on évite de les manger. Attention, petite breaking news. On part sur l'orange. Donc, l'orange, au niveau des vitamines, donc vous savez que c'est vitamine C, hein, je vous ai déjà dit 15 milliards de fois. Donc, c'est intéressant. Donc, du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, si vous mangez à peu près bah, l'équivalent d'une orange par jour, vous avez votre apport en vitamines. Waouh, trop bien! Voilà, et quoi vous dire d'autre? C'est surtout la vitamine C en fait. Et du coup, en fait, ça renforce le système immunitaire. Donc voilà, et ça permet de mieux synthétiser en fait l'absorption du fer,
qui est très important. Voilà, donc du coup, l'orange, c'est super bien. Voilà, petite breaking news. Donc on y va. Bon là du coup on va la cuire hein, mais ça sera un peu. Non, on va pas la cuire d'ailleurs. Ok. Donc non c'est bon, on va garder tous les nutriments. Et le lapin c'est une viande maigre. Ouais je sais c'est healthy Dr Pepper mais c'est trop mignon. Mais peut-être que je changerai. Hein. C'est comme le veau parfois en fait. Bah le veau je me dis que j'ai pas envie d'en manger parce que c'est des petits bébés. Bon une fois on en a fait. Bah la tête de veau déjà. Merci gastro. Mais ouais je pense que des filets de veau et tout ça doit être très bon. Je vois des chefs qui cuisinent ça et tout. Je me dis oh, ça doit être bon. Mais voilà, bon bref, pour l'instant ça me donne pas trop. J'ai d'autres viandes en fait. Pour l'instant, j'ai d'autres viandes sur lesquelles je peux. Le thé vert limite l'absorption du fer par le sang. Le thé vert? Ah! Tiens, je savais pas. Ouais, le pâté de lapin, c'est très mignon. Non, pas le pâté de lapin. Non, le pâté de sanglier, tout ça, les trucs. Ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime bien. C'est fort en goût et tout, j'aime bien. Oui, la vitamine C, exactement, bah tout en hiver, c'est le plus important. Et c'est pour ça, et c'est là où on se dit, franchement, la nature, elle est bien faite. Parce que quand est-ce qu'on a une tonne d'agrumes? Bah ouais, en hiver, quoi. On a les oranges, on a le citron, voilà. Et donc la nature sait qu'il faut qu'on prenne nos vitamines. C'est pas génial? Non, l'anneau McLovin, alors du coup. Alors l'anneau. Attendez, je termine ça. L'anneau McLovin, hier on a préparé un genre de pâte à sucre healthy. Du coup, en fait, on va regarder aujourd'hui. Donc Vince, je l'ai mis au congélateur, mais la boule, elle est devenue dure comme du béton. Du coup, je l'ai redescendre en température, en fait. Et là, je peux la malaxer. Donc du coup, le congélateur, en fait, faut pas. Donc, pour cette pâte, il faut pas, parce que du coup, bah, je peux pas la travailler. Et donc du coup sur cet anneau en fait on va brosser avec un petit peu de j'ai de la poudre alimentaire dorée donc on va faire doré comme si c'était l'anneau et après avec un cône on va écrire en écriture elfique donc là j'ai écrit un truc on va voir si je réussis à la reproduire avec le cône c'est pas gagné hein, je vous le dis bon on va essayer quand même on essaye ok donc là on est bon on va mettre un petit peu de sirop d'érable puis bah c'est bon hein. Ah j'ai pas mis l'agar-agar, non mais au secours. Bon bah écoutez, on remet ça en cuisson. Ouais, il faut que, hop là, on va remettre l'agar-agar. Le pâté de mauvais élèves. Ouais, mes élèves aujourd'hui. Ah, mes élèves. Hop là. Bon, du coup je refais chauffer de la poudre alimentaire. Oui, ouais, McLovin. Alors du coup ça c'est cadeau de ma sœur. C'est ma soeur qui m'a offert ça, donc elle m'a offert poudre alimentaire dorée, un rose. Voilà, donc du coup, voilà, bah, j'ai ça. Et je me suis dit, tiens, on va tester. Ouais, j'ai pas encore testé, du coup, on va tester. 2 minutes de Marseille, ouais, c'est clair. Vous avez fini les prédictions, alors qui. Bon, en attendant, ce que je vous propose, c'est de nettoyer les pommes de terre. Du coup, j'ai pris des petites grenailles. Et on va faire des petites potatoes. Voilà. Et donc, potatoes, pourquoi j'ai choisi plutôt que. Bah, ce sera pas frit en fait, du coup. On va mettre ça au four. Et ça sera très bien parce qu'on a déjà, vous savez, on va dire un poisson qui est frit. On fera une petite quantité, hein. Salut Juju, comment ça va? Tu rentres du taf? Ouais, ça va? Et donc, tiens, il manque le gélifiant. Oui, c'est ça, score de la mort. Arrête, parce que je me dis que tu sais, quand on fera donc petite annonce, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, nous programmons en fait un challenge entre streamers, donc nous sommes 5 streamers, mais 6 parce que du coup il y a Bardino aussi. Voilà, donc la semaine du 14 au 21 février, du coup en fait on lance un challenge, donc chacun on va devoir préparer un gâteau avec 4 textures différentes, ok? Donc ça se déroulera pendant toute la semaine, vous pourrez aller sur les streams de chacun, et attention! Le gâteau, en fait, n'a le droit d'être fait que pendant le stream. Donc, autant vous dire que ça va me poser des gros soucis. Donc, les streams risquent de durer un petit peu longtemps. Voilà. Et ensuite, vous irez voter. Donc, on se retrouvera sur le Discord et vous pourrez aller voter pour. C'est ça, sur le Discord, hein? Ouais. Oui. Et donc, du coup, en fait, vous pourrez aller voter en fait sur le visuel. Vous pourrez pas goûter, du coup, mais sur le visuel. Tu sais qu'Amazon va sortir? Ah non, je savais pas, McLovin. Ouais, il reste 7 minutes. Attends, on attraque, c'est plus facile de récupérer le jus d'orange que l'eau de la noix de coco. Bien vu, ouais. Ouais. Donc, go le stream du. Non, il va pas durer 24 heures. Non, du coup, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à mes mousses, en fait, combien de temps ça prend. Hop. Et ben voilà. Ok, ah, attendez. Du coup, je vous mets un petit peu d'agar-agar. Hop. Non, c'est les mousses en fait, et du coup, mais il faut pas que je vous dise, parce qu'il y a d'autres trucs en fait qui vont me prendre un petit peu de temps, faut que ça prenne, donc du coup, je vous dis pas. Mais je fais pas un gâteau congelé, voilà, juste je vous dis ça. Avec Maya, la semaine du 14, ouais, c'est ça, donc Monsieur Fabuleux, moi je ferai, donc le dimanche 14, c'est Eve Bardino qui fait le stream,
Mardi, c'est. Voilà, je suis en train de. J'ai plus l'emploi du temps. Attendez, je vous dis. Si, je vous dis. Alors, attendez. Moi, ça sera samedi. Score de la mort, c'est mercredi. Et attendez, je vous dis. Ouais, comme ça, vous aurez semaine pâtisserie. Hein. Alors là, laissez tomber, quoi. Bah non, je n'ai pas. Bah mince, j'ai pas pris en photo le chat. Alors attendez. Non, je pas. Ah non, j'ai pas pris en photo. Je pensais que j'avais pris en photo. Désolée, Score. Ouais, on sera en communication sur Discord. Ouais, c'est ça. Et les viewers regarderont le live. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, Bigfoot, trop bien le clip. Pour ceux qui ont... Arrête! Voilà, bon, voilà. Donc minute, voilà. Donc du 14 au 21, voilà, ça sera stream pâtisserie ou gâteau salé. On a le droit aussi gâteau salé. Mais du coup, je vais partir sur la pâtisserie. Et je vais vous faire un gâteau healthy. Ouais, il sera entièrement healthy. Voilà, donc bah oui, vu que... Donc il n'y aura pas de beurre. Donc autant vous dire que ça va être vachement sympa. C'est pour ça que je sais pas si ça va bien prendre en fait. Alors du coup, la mousse est prête. Alors on va chercher nos petits... Là, nos emporte-pièces. Et puis on va mettre ça au frais. J'ai pas mis le sirop d'érable, on va mettre un petit peu de sirop d'érable, sinon ça risque de prendre très très grand. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de zeste? Si, comme ça on... bah oui, mais les zestes, en fait, du coup, on va le voir. Ah, peut-être pas, tiens. Allez, on va essayer, je vais en mettre un peu. Tu vois, du coup, j'ai quand même goût de l'orange. Oui, tu l'avais. Voilà, très bien. Donc orange coco, normalement ça fonctionne bien. Ah oui, donc je vous ai pas parlé de la pâte. Donc du coup là pour la base sucrée en fait je suis partie bah, sur la farine de coco bien sûr, bien évidemment. Farine de coco, nous avons poudre d'amande, de l'huile de coco et du sirop d'érable. Voilà, comme ça on reste sur toujours sur des bases healthy. Du coup je fais voilà. On va juste espérer que ça prenne à temps. De toute façon, vous me connaissez, au pire, je vous posterai la photo. Mais je vous avoue, j'aime bien que ce soit voilà. Et donc, pâtisserie en même temps, c'est aspect. Oui, voilà, c'est ça, Bigfoot. Ouais, c'est pour ça que je. Autant vous dire que je ne mise pas sur le. Être vainqueur. La... Comment on dit? Être la gagnante, hein, je vous le dis. Hein. Il y a des gars qui sont. Merci, Score de la Mort. Merci pour les dates. Malchera, samedi, l'après-midi. Donc, oui, moi, c'est le matin. Ma chère, c'est l'après-midi et les zèbres noirs m'ont communiqué. Et du coup, je vais le prendre en photo parce que du coup, j'ai pas envie de me retrouver la prochaine fois encore. Hein. Hop. Parce que là, je te fais travailler, Score de la Mort. Du coup. J'ai plus souvenir d'un battle de stream pâtisserie. Oui, voilà, c'est ça, il en restera qu'un. Mais du coup, je pense que ça sera pas moi, hein, je vous le dis. Arrête, Doc Pepper! Non, du coup, Picard, j'y vais plus. Avant, j'y allais dans ma jeunesse. Maintenant, j'y vais plus du tout. Si, je suis passée. Quand est-ce que je suis passée? Je suis passée une fois. Ah si, bah c'est quand vous m'avez parlé du poulet de Bresse. Poulet Bresse. Donc j'y suis allée en fait pour voir si je trouvais le poulet. Et il n'y en avait plus. Voilà. Et en fait, la vendeuse, elle me disait, c'est incroyable parce qu'apparemment, c'est passé à la télé. Elle me disait, c'est incroyable parce qu'en fait, les poulets, ils sont restés là. Ils étaient là depuis le mois de novembre. Elle m'a dit, les gens passaient devant, ils ne le prenaient pas en fait. Vous savez, les poulets à 10 euros là. Ouais, et donc du coup, il y a apparemment le reportage à la télé. Et donc du coup, tout le monde a décidé d'acheter. Dans ma jeunesse. Ouais, c'est clair. Mais je suis vieille, hein, vous savez. Non, je déconne. Et le cocotier, mais je dois mal me souvenir. Oui, non, il n'y a pas. Non, ouais, Seigneur d'Anneau. Ouais, c'est celle-ci en fait. Hein, ça va, c'est celle-ci. On fait le menu Seigneur des Anneaux, mais celle-ci. Voilà. Ouais, et puis du coup, en fait, bah, vu que. Bah, il y a Gastronoki aussi qui avait fait bah, une recette, mais du coup, c'est sa recette en fait. Je ne veux pas la reprendre, quoi. Tu as du niveau, donc tu peux réussir. Ouais, on vote pas. Ouais. Non, le goût score de la main, franchement, du coup, c'est 48, ça va. Bah allez, du coup, on continue. On va faire nos potatoes. Hop. Donc, on va juste mélanger. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Mais vraiment un petit peu. Et on va mettre du paprika. Et du coup, j'ai sorti les épices mexicaines. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire les épices mexicaines. Je connais pas le level des autres, mais moi, je suis dans ton... Merci, McLovin, c'est gentil. Par contre, vous n'avez pas le droit de favoriser parce que vous... Voilà, hein. Vous êtes... comment on dit? Vous jugez impartialement. D'accord? On est d'accord, hein?
Parce que du coup, si mon truc il est raté, il est raté. Hein. Après, Score, ce que j'avais dit, on peut peut-être juger sur, sur la dureté en fait. C'est-à-dire que si on voit que je galère de ouf, hein, peut-être qu'on peut m'attribuer la victoire. Alors, du coup, on va couper juste nos pommes de terre. Voilà, donc il y a à peu près il y a 100 grammes du coup. Voilà, il y a 100 grammes. Du coup, je sais pas si je fais les deux autres. Ça devrait être suffisant quand même. Ouais, voilà, je vais faire 100 grammes, ça suffit. Bon, au pire, non, je fais tout. Elles vont pas me servir. Est-ce qu'elles vont me servir ce week-end? Je suis désolée, je réfléchis à voix haute. Non, ce week-end, on va en Italie, donc du coup, non. Non, ça va pas me servir. Ok, bon, bah écoutez, on les fait toutes. Comme ça sera fait. Et comment on vote? Non, on vote sur... C'est sur le Discord, en fait. Vous avez la photo et du coup, il faudra aller sur les Discord. Je vous avoue que cette partie technique, j'ai pas encore réfléchi. Oui, je suis d'accord. Ouais, c'est des. Ouais, j'ai pris des petites pommes de terre, vous savez, pour pas avoir des grosses, grosses pommes de terre. Ouais, du coup. C'est des MC chinois, les patates. Non, c'est des pommes de terre grenailles, des petites grenailles. Ok, bah écoutez, on va les couper en gros. Hein. Hop. Le four, il faut qu'il soit à 220. En fait, il faut qu'il soit plus fort. Voilà. Et ça va être du grand. J'ai un oral demain, ça va être. Et ça va, tu te sens préparé ou pas, Damchine? Des potatoes, des mini potatoes, c'est ça, voilà. Pour pas trop grossir, en fait. Mais oui, du coup, les gars, ouais. Très bien, je vous fais un petit feedback d'hier, en fait, de chez le médecin. Allez, allez. Présentiel, par contre, ça, c'est trop cool. Ah, c'est vrai, Damchine, t'as envie de retourner à l'école? Ouais, je sais pas si ça fait long en fait pour. Pardon, au secours. Ouais, donc du coup, attendez. Donc j'arrive chez le médecin, je suis en communication. Je vais. Ouais, ah, tu vas blablater, ça marche, Damchine, pas de soucis. Manger des potatoes. Non, c'est pas ça, Batou. Alors en fait, c'est comme. Tu sais, c'est anglais en fait. Anglais. Ouais, je suis partie sur l'idée que c'était anglais. Parce que du coup, c'est un pays imaginaire. Ouais, voilà, je suis partie sur le fait que c'était un pays imaginaire. Donc je me dis, tiens, on va faire anglais. Non mais Tolkien il est pas il est... Tiens j'ai même pas regardé. Non Tolkien il est pas anglais. Si il est anglais je crois. Donc du coup c'est pour ça que je suis restée dans le côté anglais. Voilà. Et le fish and chips j'avais dit que ça faisait un petit moment que je voulais le faire donc du coup voilà. Mais vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir l'ambasse et l'œil de Sauron et l'anneau. Hein. Attention l'anneau. Hein. Faudra être sur l'un de nos streams pour voir le lien de vote. Ouais, ok. Et j'ai grave envie d'y retourner, mais là j'ai partiel et après stage du coup je devrais. Ah ouais, ok. Moi, tu seras en présentiel en entreprise, quoi. Ok. Et tu n'as pas compris la ref, je te link sur Diddle. Attends, je regarde. Ça va être du grand Mendes. Mendes, c'est le truc de foot, non? Pays imaginaire. Ouais, je sais, bah toi, arrête. Je suis en train de m'enfoncer, là. Ok, alors, du coup, on y va. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Juste pour les enrober. Voilà. Bah tiens, stream Peter Pan, mais du coup, qu'est-ce qu'il mange là-bas? Ah oui, mais là-bas, il mange à l'imaginaire, en fait. Ouais. Donc, ouais, bah non. Ok, on y va. Donc, on va mettre nos épices. Donc, je pars sur du paprika. Hop. On y va. Et j'en mets une tonne, hein, pour qu'on ait bien le goût. Allez. Ouais, le placement, c'est pas bon. Hein. Faut que j'arrête. Hein. Mes épices, c'est une cata. Et épices mexicaines, du coup. Voilà. Alors, donc du coup, j'arrive chez le médecin. Ok. Il me dit, ah oui, on s'est vu. C'est bon, votre bras, ça va mieux. J'ai dit oui. Vous savez, il m'avait prescrit une attelle. Donc, du coup, bah, j'ai pas fait l'attelle, mais ça va beaucoup mieux. Alors, en tout cas, je fais attention de pas faire le flexion au niveau de là. Mais non, le mécano. Ah, le mécano dans le camping. Non, du coup, ouais, non. Ah, non, j'ai pas. Ouais, donc là, j'ai pas eu. Non, j'ai pas eu la ref. Ouais, bah, loulou. Voilà. Donc, très bien. Il me dit, donc, vous êtes là. Je lui dis, bah, pour faire les tests d'effort. Il me dit, ah non. On va pas faire un test d'effort, il m'a dit. Il m'a dit en fait, vous allez faire un. En fait, il m'a fait faire des exercices. Et il m'a dit que le test d'effort, en fait, ça se fait en clinique. Bah, à l'hôpital, en fait, au cas où on a une crise cardiaque, parce qu'apparemment, il nous pousse beaucoup. Donc voilà, il faudrait que, voilà, que les soins soient à côté. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je n'ai pas fait mon test d'effort, j'ai fait des exercices. Il a pris mon rythme cardiaque, donc au repos, après l'exercice, avec le masque, autant vous dire que. Voilà, super, j'étais ravie. Je lui ai dit, hein, il y a le masque. Hein. Il m'a dit, oui, je sais. Bref. Voilà. Un test d'effort. Ouais, non. Et donc, du coup, en fait, il m'a dit que. Bah, à la fin, en fait, il m'a prescrit le test d'effort parce que je lui dis, j'aimerais bien quand même le faire, en fait. Ouais, non. Donc, du coup, McLovin, ouais. Et donc, il m'a quand même prescrit le test d'effort. Il m'a dit dans quel hôpital aller.
Donc il m'a précisé que ça serait sur un vélo et que voilà. Il m'a dit que j'étais pas pressée, hein. Il m'a dit que j'étais jeune et tout, qu'il n'y a pas de souci. C'est pas pressé, mais si j'ai envie de le faire, voilà, il me l'a prescrit. Et ensuite, donc il m'a dit que j'étais trop. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Que j'étais trop. Je suis en dessous de l'IMC en fait, normal. Donc du coup, il m'a dit que j'épuisais mon corps. On va savoir. J'ai pas l'impression de. Ouais, salut les scorpions! Comment ça va? J'ai pas l'impression d'épuiser mon corps. Et donc en fait, il va pour me peser et tout. Je lui dis non, mais attendez, j'ai pas de balance chez moi et tout, je veux pas me peser. Et donc je monte sur la balance. Bon, je vous dis bon, 48,5. Donc je pensais faire 50 en fait. 48,5. Là, je me dis, ah, ok, quand même. Et puis il me dit, bah voilà, vous êtes trop mince, quoi. Trop maigre. Ouais, mais je trouve pas en fait. Parce que du coup, mais je lui ai dit, c'est les muscles. Enfin bref, j'ai essayé de trouver un truc à 2 balles. Ça n'a pas marché. Ah, très bien, attendez, je mets le sel et puis on va mettre ça au four. Voilà, mais donc du coup, il m'a dit qu'il fallait que je remange et que je reprenne 3 kilos. Autant vous dire que je n'ai pas envie de reprendre 3 kilos. Donc voilà. Ouais, je sais ma clovis, mais du coup, vous trouvez que je suis maigre en fait? Moi, j'ai pas l'impression d'être maigre en fait. On arrête de compter. Ben, c'est ça, monsieur Fabuleux. En fait, je me pèse pas en fait. Je me pèse pas, J'observe mon corps, on va dire. Voilà. Et je vous promets, j'ai pas l'impression d'être maigre. Hein. Maigre, bah reprends 3 kilos. Ouais, c'est ça, Doc Pepper. Donc du coup, il va falloir que je reprenne des kilos. Alors ensuite, donc il a testé mon cœur. Donc on a fait un électrocardiogramme. Il m'a dit que c'était le cœur est nickel en fait. Mais que mon cœur est trop habitué à. En fait, il monte vite dans les tours et il redescend. Il m'a dit qu'au niveau de la tension artérielle, donc il n'y avait pas de souci. Il m'a dit là, c'est bon, c'est bien, vous êtes jeune. Mais il m'a dit, en fait. À terme, c'est pas bon pour le cœur. Donc, il m'a dit, vous pouvez continuer. Donc, je lui ai dit, je voulais faire le crossfit et tout. C'est bébé qui prend tout. Ouais, grave. Va falloir mettre un peu. un peu de grain dans la cuisine. Non, bah, tout, attends, j'ai plein de grains. Hein. Attends, j'ai l'huile d'olive et tout. Attends, j'ai mes oléagineux le midi. Franchement, j'ai du grain. Hein. Le matin, j'ai mon beurre de cacahuète. Enfin, je suis bien au niveau du grain. Bon, des kilos pas chers ou pas. Fait un temps envoyer du beurre et du sucre, arrêtez les gars. Voilà, et donc du coup, voilà. Donc il m'a dit que mon cœur était nickel, mais que voilà, il est trop formé à être rapide en fait. Et donc voilà, à terme, c'est pas bon. Donc du coup, il m'a dit, vous gardez le crossfit, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder le crossfit, mais en fait, il faut que j'équilibre, c'est-à-dire que dans la semaine, il faut que mon temps que j'ai fait en crossfit, c'est-à-dire, vous savez, les HIIT, là, les trucs qui sont hyper rapides, soit inférieur à l'endurance. Donc du coup, il va falloir que je me mette à courir. Je suis dégoûtée. Voilà, donc là c'est pour travailler le cœur en endurance et pas en hyper rapide. Voilà. Donc parce qu'il m'a dit que même au repos, mon cœur il fait boum 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 boum. Voilà. Mais du coup, voilà, c'était sympa. Enfin, voilà. Je suis contente de l'avoir fait. Mais maintenant, on va attendre le test des fortes. Sinon, il a regardé mes analyses de sang et tout, tout est nickel. Vitamine, nickel. Voilà. Si, le cholestérol, il m'a dit, mais vous avez fait le cholestérol? J'ai dit, bah non. Il m'a dit, bon, on va faire une prise de sang et puis on va regarder un peu le cholestérol. Et je vous dirai, mais bon, je vais pas le faire tout de suite, hein, c'est pareil, je suis pas pressée, donc voilà. Ouais, bah, je vais faire l'endurance, monsieur Fabuleux. Et du coup, en fait, endurance, donc il m'a dit, vous savez, en fait, de mettre un, je sais pas trop quoi, un truc connecté. Et il faut que je commence à m'entraîner, en fait, en faisant de l'endurance pendant à peu près 50 minutes. Attention, 50 minutes, j'ai dit 50, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, Ouais, voilà, je suis trop speed, c'est ça, ouais. Faut prendre du muscle. Ouais, mais du coup, Vince, il y a un moment, en fait, je vois plus comment je peux prendre du muscle. Voilà. Et puis, je lui ai parlé aussi de mes veines qui se voyaient et tout. Il m'a dit que c'était. Ouais, c'était pas grave. En fait, la peau qui est trop fine. Et c'est la révision du. Ouais, c'est ça. Son corps s'épuise. Mais non, mais du tout, en fait. Et du coup, j'ai pas l'impression d'être épuisée, en fait. Voilà. Et voilà. Donc, il faut que je commence l'endurance à 150 battements. Attendez, il m'a dit vous ferez du sur, vous aurez l'impression de faire du surplace d'abord. Donc il faut que je commence à 150 battements par minute, c'est-à-dire faire monter mon cœur jusqu'à 150. Il faut que j'achète un truc, je sais pas trop quoi là. Et donc commencer comme ça. Et après il m'a dit que j'irai de plus en plus vite, mais que je resterai à 150. Voilà, vous savez tout, c'est bon. Mais donc voilà, tout c'est bon, tout va bien. Cholestérol, à mon avis, Maya, t'es mal barrée. Non, je pense pas. Non, je pense pas au niveau du cholestérol. Je pense que je suis bien. Enfin, je croise les doigts. Enfin, je touche du bois en fait. Je vais faire du culturisme et faire les concours. Non, du tout. Non, ah, non, non. Vin, je trouve pas ça joli. Ah non, non, je trouve pas ça joli. Non, ce que je vous disais, même les tablettes, vous savez, les filles là sur la plage, les tablettes et tout, je trouve pas ça joli pour les filles. Hein. Autant pour les mecs. Allez. Ouais, c'est beau et encore. Mais pour les filles, c'est pas très joli, quoi. Bah, on va peut-être s'activer. Attendez, bah oui, c'est jeudi soir comme le lundi. Bah non, même hier en fait, j'ai trop parlé hier. Alors attendez, hop.
Et donc, un suppôt effervescent et en avant. Ça existe, sans déconner. Ouais, je prends des graines et des oléagineux, donc normalement, je pense que c'est bien. Ouais, et puis je mange beaucoup de fruits et légumes et tout. Hein. Même ce midi... Donc, ce midi, c'était quoi? C'était betterave. Ah, non, je me suis acheté les algues wakame. Vous savez comment j'avais avec les sushis et tout. J'ai acheté, c'est trop bon, j'adore en fait. Donc, du coup, j'avais ça ce midi. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? J'ai mangé un autre truc. Ah, j'ai mangé. Du coup, il me restait des crevettes. Donc, j'avais des crevettes. Enfin, voilà. Bref, voilà. Ouais, ça existe. Ouais, bien sûr. Mais oui. Non, non. Vous savez quoi? Il n'y aura pas le clip de la grosse débile. Non, 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 non. Avec le natto, ouais. Non, arrête. Il y a le dessert qui est lancé. Donc, l'œil de sauron est au frais. Nous avons les lambas et nous allons passer aux fish and chips. Alors, fish and chips. Attendez, je relave ça. Donc, la pâte à beignets. La pâte à beignets, en fait, on va la faire avec de la bière. Du coup, c'est pour que ça. Que ça fonctionne bien, j'ai du sang. Donc vous pouvez prendre de l'eau gazeuse, hein, mais comme j'avais de la bière et tout, je me suis dit, tiens, on va faire avec une. Ouais, la perchette, ouais, il faut l'éliminer la perchette. Oui, voilà, c'est ça. Oui, la grosse débile sur la perchette. Ouais, non mais grave. Merci Moubot. Ouais, pour la vidéo de ces derniers mois, merci. J'ai les tablettes bon sous la crème et le beurre, mais ça fait mousse chocolat. Excellent, Vince. Petite recette. Vous le sentez venir, le live 24. Non, arrête, score de la mort. Ouais, arrête, du coup. Alors là, faut vraiment que je réfléchisse parce que il y a plein de trucs qu'il faut que je fasse dans le gâteau. Donc, du coup, ouais. Donc, nous allons utiliser de l'huile de pépins de raisin pour frire. Ça, on verra ça après. Les potatoes sont lancées, Damchine. C'est pas bien. Donc, du coup, les potatoes sont au four. Hein. Et là, on va préparer la pâte à beignets. Et du coup, on va sortir le cabillaud. Vous aurez droit à un petit point de nutrition sur le cabillaud. Ouais, le cabillaud. Et pourquoi tu laves tout? Tu as rien fait. Bah, attends, non, si la bonne, mais arrêtez, sans déconner. Attendez. J'ai mis de l'huile d'olive dedans, j'ai mis des épices. Ouais. Mauvaise langue, Damchine. Et donc, ouais, je sais. En progrès. Ouais, merci, merci les gars. Non, mais comme ça, du coup, on va pouvoir se concentrer sur l'écriture elfique, parce que ça, je pense que je vais bien galérer. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut. Alors on y va pour les peser. Donc farine d'épeautre, on va prendre 20 grammes. C'est la pâte à beignets là qu'on va faire. Bah oui, peut-être un pèse. Bah ouais, tant qu'à faire. Eh oui. Je mets ma langue où je veux. Ah oui, c'est vrai, chacun met où il veut quoi. Alors attendez. Mais bon, on fait attention quand même, hein. Donc lol, les mesures qui vont être renforcées dans les écoles, lol. Et puis attendez, on parle des cantines, mais moi en classe je fais les goûters d'anniversaire, donc du coup t'as tout le monde qui a le masque en V quoi, lol. Et puis on va être testé aussi, hein. Lol. On devait être testé déjà depuis le mois d'octobre, lol. J'adore ce gouvernement. Et puis maintenant il va y avoir des centres, c'était quoi? Ils avaient dit qu'ils étaient contre les centres de, c'était quoi? Contre les centres de vaccination. Maintenant il va y avoir des centres de vaccination, lol. T'as été testé hier, Doc Pepper? T'as eu la réponse ou pas? Puis alors, les gamins, ok, enfin je suis désolée, mais en fait ils se touchent tout le temps, donc il y a un moment c'est lol. Donc le fait qu'ils mangent, enfin bref, lol, 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 vous êtes déjà venus dans une école et ils ont dit qu'on va renforcer les mesures sanitaires. Alors autant vous dire, je vois pas comment. Lol. Ouais, pas tout, mais en attendant, franchement, je n'ai pas d'absent. Allez, ma classe, elle a été fermée début septembre, une semaine. Mais du coup, je n'ai pas de malade. Je vous promets, mes élèves sont tous là. En tout cas, les élèves de l'école. Et ce qu'on se disait avec les collègues, en fait, il y a plein d'écoles qui ferment et tout. Mais nous, il y a tout le monde qui est là. Tout le monde est là. C'est un truc de fou. Testez pourquoi. Hein? Fais 10 fois la vaisselle en 1 heure. Arrête, monsieur Fabuleux. Non, non, du coup, là, c'est bon. J'ai récupéré mon bol. Vaccinodrome. Ah oui, c'est ça, voilà. Des endroits où on fait les vaccins et tout. Testé à 10 h, réponse du labo par mail à 18 h. D'accord, ok. Et donc du coup, si c'était hier, ouais, t'as eu la réponse. Et c'est le monsieur, c'est le Covid. Je suis enceinte. Frère. Ouais, les chipsters, tu sais qu'ils sont super bons. Et ça fait partie des chips qui sont les moins caloriques. Ouais, c'est super. C'était mes chips préférés avant, les chipsters. Et les enfants sont porteurs, mais pas forcément. Oui, voilà, c'est ça, score de la mort. Mais du coup, en fait, tu vois, si les enfants ils vont bien, les parents ils vont pas tester, quoi. Voilà, donc voilà. Donc, lol. Du coup, négatif. Ok, bon, bah ça va alors. Ok, c'est nickel. Non, il y a une copine, une collègue, en fait, qui disait que. C'était quoi? Elle partait pour se faire tester, bah, parce qu'elle allait se retrouver en famille, vous savez, pendant les vacances de Noël, donc dégoûtée.
Et en fait, donc elle est partie se faire tester, elle avait aucun symptôme, mais rien. Donc c'était juste mesure de précaution et tout. Elle va se faire tester, elle était positive. Elle a pu faire son dîner. Hein. Elle était dégoûtée. Ouais, c'est hyper ça. Ouais, mais Damchine, je les prends plus celle-ci. Ça me donne envie de boire une bière. Tiens, Damchine, j'ai une bière si tu veux. J'ai 16,64. Et du coup, j'ai une blanche aussi au frigo. La blanche qui date d'il y a. Quand est-ce qu'on avait fait le stream avec la blanche? Il y a. Ouais, il me reste 4. Merci. Les Pringles nature sont pas mauvais. Ah, les Pringles. Ouais, je suis moins fan des Pringles. Ouais, c'est peut-être la taille, je sais pas. Non, j'aime bien les chipsters, c'est tout petit et tout. Voilà, donc du coup, en fait, on va mettre notre farine, on va mettre de la fécule de maïs. Ça, du coup, j'ai regardé la recette parce que je sais pas du tout les pâtes à beignets, c'est pas mon truc. Ok, une cuillère à café. Ah, ok, une cuillère à café de farine de maïzena, c'est ça? Ouais. Et de la levure, de la poudre à lever, donc autant vous dire qu'il y a une tonne de poudre là. C'est de la bière, de quoi? Les chipsters, de la 16. Alors attendez, hop. Ouais, c'est de la bière Pang, la bière Pang, c'est quoi? Ouais, ça marche, Vince. Je m'ouvre une bière aussi. Ah, la vôtre! Bah, la vôtre, les gars! Bah, du coup, attendez, je vais l'ouvrir. Ah, ouais, mais est-ce que je bois? Non. Ouais, non, allez. De toute façon, on n'a pas étudié du tout dans la recette, donc à un moment, peut-être que je peux prendre une petite gorgée. Jette-moi ça sur le cognac. Tu veux me... Bah, il est là, hein, cognac. Ouais, il est là. Si tu veux... Il y a même de l'armagnac. Attends. Les mignonnettes, genre, ça fait alcoolique, quoi. Bah, en tout cas, vous remarquerez que ça ne descend pas, hein, franchement. Voilà, j'ai aussi l'armagnac si tu veux. La bière pong? Non, la bière pong, c'est pas quand tu joues avec les balles de ping-pong? C'est pas ça? Hop là. Alors, attendez. Donc, la bière est ouverte. Est-ce qu'on se prendrait pas une petite gorge? Non, non, je vais éviter. Très bien. Donc, du coup, nous avons notre. On va mettre la poudre à lever aussi dedans. Hop. Et la pâte à. Oula, j'en ai mis pas mal, c'est bon. Voilà. Et du coup, la pâte à beignets, il faut qu'elle repose un petit peu au frais. Donc, on va mettre. J'ai pas la quantité pour la bière. Non, je vais pas prendre un chat. Non, les gars. Du coup, non, je sais pas. Parce qu'imaginez, Twitch, encore, il change et tout. Là, c'est bon. Ouais, je veux pas risquer, en fait. Alors, attendez. On y va. Donc, ça doit faire la texture. Bah, je vous prends avec. Ça doit faire la texture d'une pâte à crêpes. Pâte à crêpes. Mais en plus liquide. Alors, on y va. On y va, on y va. Je te link. Ouais, merci, ma loulou. Bah non, je connais pas. La bière Pong. Ah oui, ça mousse en fait. Du coup, ça mousse. Ouais. Bah en même temps, c'est de la bière. Mon jeu. Oui, c'est ça. Oui, donc Damshin, t'es d'accord avec moi? Avec les cartes, je suis insupportable quand je joue avec des cartes et des alcools. Ah, ok. Je déteste perdre et je fais tout pour envoyer tout le monde. Et du coup, ils ont envie de rejouer avec toi ou pas? Hop là, bah du coup là c'est bien là. Est-ce que c'est plus liquide qu'une pâte à crêpes? Attends, on va prendre le fouet, ça va être mieux. Hop, on va pas voir. Et voilà, on va remuer. Ouais, c'est quand même mieux. Je vais remettre encore un tout petit peu. Allez. Ouais, merci Vétéran. Ah ouais. Bon, merci pour Baloulou. Ok, bon bah écoutez, on a notre pâte à beignets. Ça est plus liquide qu'une pâte à crêpes, on est d'accord? Voilà, c'est bon. Et du coup, nous avons notre bière qui est là, je la laisse là. Et je vous reprends avec moi. Donc, on va mettre ça au frais. Et donc, pour que la pâte à beignets soit bien, il faut que je la refroidisse. Donc, on va la mettre au frais et après, il faudra la travailler. Vous savez, ouais, on va la mettre au frais, on va pas mettre de glaçons, c'est bon. Allez, une lampée pour mamie. Ouais, pour mamie. Ouais, mais en plus, je suis pas très fan de la bière, c'est pas mon truc. De toute façon, il va falloir que je la boive. Hein. Elle est ouverte, hein. Mais je la boirai après. Je vais la remettre au frais d'ailleurs. Allez, pour un jeudi soir. Petite bière. Attention, jette la mousse des bières. Oui, voilà, c'est ça. Monsieur Fabuleux, tu l'as vu, mais oui. Ah, ce stream. Mon Dieu, quand j'avais pris la mousse, bah, c'était toi, Tamusine, qui avait dit bière, je crois. Ouais, c'est toi qui m'avais imposé la bière. C'était bière ou je sais plus. Ouais, si, je crois que c'est ça. Ouais, vous êtes en PLS là quand j'ai bu la mousse. Bon, bref, ça va au frais aussi. Voilà, et du coup, attendez, je vais garder les potatoes.
Voilà, ça m'a l'air pas mal. Elles vont être belles, hein. Elles vont être belles, elles vont être nickel. Et donc, pour se laver les cheveux, au pire. Attends, la bière, ça fait briller, c'est ça? Alors, du coup, les gars, on y va. Donc là, on va s'attaquer à notre pain, le pain elfique. Alors, pain elfique, donc comme ce que je vous ai dit, en fait, j'ai pris mes farines. Mes farines à moi, et je vais faire ma mixture à moi. Salut Kizuke, comment ça va? C'est du poisson aujourd'hui, c'est bon ou pas? On fait un fish and chips. J'aimerais bien qu'il soit joli, j'aimerais bien avoir la pâte toute lisse. Vous savez, comme sur les photos, ça fait super joli. Hein. Maya avec sa bière, elle va être pompette. Ouais, non, mais c'est clair. Attendez, les gars, je vous ai dit, il faut pas que je bois. La bière à la cuillère. T'as mis ça qu'avec moi? Ouais. Non, ouais, bah, tu sais quoi? Non, le voisin, je vais le laisser tranquille. Ouais, le voisin, du coup, je veux pas le croiser. En fait, là, maintenant, je ne veux pas le voir. Voilà. Là, voilà. Fous-moi la paix. C'est ça. Très bien, donc je vous ai dit, donc en fait, du coup j'ai pris poudre d'amande, donc ça c'est pour faire le pain, le lambas, le pain elfique, rempli de nutriments, hein, parce que je vous rappelle que la poudre d'amande, quoique non, et Fifi il a dit que la poudre d'amande achetée dans le commerce c'est pas bon, hein. Donc si vous voulez plus cuisiner, il faut prendre des amandes entières et vous les mixer. Ouais, parce qu'apparemment, je pense que c'est comme le poivre, vous savez, le poivre, bah, le poivre moulu en fait c'est pas bon, c'est que les restes de plein de trucs et tout. Bon bref, du coup nous avons notre farine, j'ai pris la farine de noisette parce qu'elle est protéinée pour les petits muscles. Voilà, donc là c'est à fond protéines. Hein. Ils auront des forces comme ça. Et des lambas, pas des gambas. Ah, j'ai dit des gambas, monsieur fabuleux. Bah, il faut que j'articule. Oh là là. Oh, aujourd'hui, mais je kiffe mes élèves. Je kiffe mes élèves. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Je suis désolée, c'est lambas, gambas en fait qui m'a fait penser à ça. Parce que le moindre petit truc, je vous promets, le moindre petit truc, ils remarquent. Enfin, voilà, ils sont juste au taquet de chez taquet, quoi. Oh là là. Trop contente. Ok, du coup, alors nous on va mettre du miel. Donc je vous ai dit en fait, je vais pas mettre de sucre. Ouais, le melon. Ah, mais oui, le melon. Mais oui, le melon, le melon, le melon, le melon. Je peux parce que franchement, je suis une super maîtresse. Ouais, je suis une super maîtresse. Non, puis en plus, on a bien rigolé. On a bien rigolé, mais en fait, en fin de journée, ils étaient hyper relous. À la récréation, il a commencé à avoir des histoires. Non, mais tu as rien dit. Attends, quoi? Moi, je mange pas de poisson, mais les lambas, ça me donne trop envie de goûter. Ah, ok, ça va, bateau. Ok. Et donc, attends, Monsieur Fabuleux, Maya, elle a une descente qu'on ne remonterait pas à vélo, les potes. Oui, je vous remonte mon verre de vin. Non, mais je vous promets. Et en fait, c'est vrai que. Comment dire? Bon, je vous avais parlé de mon historique. J'avais fait une école, bref, une école de commerce. Donc, du coup, on est un peu habitué à boire, quoi. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est mon verre à vin. Mais du coup, bon, je vous expliquais, je mettais que jusque-là. Jusque-là, ouais, voilà. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont précis. Vous savez, quand ils parlent, ils sont précis. Enfin, c'est. Oh, je leur habitué à chaque fois précis et tout, hein, mais ça, coucou, Bins. Mais bon, voilà. Et donc, attends, j'ai rien dit. Attends, monsieur Fabuleux, c'est sur par rapport à quoi? Ouais, il est beau, hein, il est beau. Chez Carrefour, je l'ai eu à moins 50. Vous savez, ils ont fait une histoire avec les vignettes et tout. Et du coup, il y avait les 4 verres pour 7 euros, donc j'ai pris, hein. Il est beau, hein? Donc du coup, vous dégustez votre vin comme ça et tout. C'est cool, hein? Je fais caler un litre. Ouais, non, mais c'est clair. Non, c'est un verre pour moi, du coup. Mais en fait, je vous ai dit, hein, je mets jusque-là. J'adore ce verre. J'adore, j'adore. Très bien, on y va, on continue. Mais attendez, surtout pour le vin. Attendez, regardez, j'ai trouvé un truc. Non, j'ai vu un truc. Le vin, faut que je vous dise. Donc le vin, donc ça m'a réconcilié. Je me suis dit, ouf. Parce que du coup, je bois principalement du vin et c'est vrai un petit peu quand même de. Attendez, j'ai trouvé un truc qui a été publié. Il faut que je vous le lise parce que je me suis dit, waouh, trop bien. Donc le vin. Attention, petit point nutrition. Attendez. C'est quoi? Ouais. Le savais-tu? Le vin rouge contient du resvératrol, principe actif qui aide à la reconstruction musculaire. Donc si vous faites. J'ai pas encore été vérifier l'information. Bon, je vous le dis parce que j'ai trouvé le truc sympa. Et donc, elle partage pas la bouteille de vin. Non, bah tout, si, avec ma soeur. Si, si. Bah en fait, du coup, ma soeur et moi, on kiffe le vin. On adore, on adore. Mais comme je vous disais, j'ai pas le palais. Enfin, si, quand je bois un bon vin, je le sais, hein. Contrairement à une biquette. Le vin rouge, pas le blanc. Ouais, c'est le vin rouge, pas le loin. C'est que le vin rouge. Du coup, le vin rouge, du coup, bah voilà, ça participe à la reconstruction musculaire. C'est peut-être pour ça que je suis musclée, en fait. J'ai adoré quand j'ai vu ça. Mais bref, faut aller vérifier quoi. Ouais, faut aller vérifier.
Voilà, donc c'était pour partager ça avec vous. Donc je suis contente. Le vin, la nutrition. Ouais, pour certains. Oui, donc du coup, le vin, voilà. Donc le vin, c'est quand même meilleur. Et si je t'invite à une soirée com contemporain, on fera un concours. Ah, Damchine! Ouais, tu veux? Ouais, bah écoute, moi, ça me tend très bien, en fait. Ça me va très bien. Et je prends des cubits. Non, la village. Non, ça, je prends pas la villageoise. Non, je préfère me prendre une petite bouteille de vin bien, plutôt que boire de la villageoise, en fait. Parce que du coup, ça attaque. Ça attaque, quoi. Hein. Ouais, les villages. Vieux souvenirs, vous savez, quand on était jeune et pas d'argent. Hein. Oui, et le vin rouge pour le cœur. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et les pommes et les raisins, c'est les fruits avec le plus de traces de pesticides dedans. Oui, c'est pour ça, McLovin, du coup, en fait, pour ceux qui sont avec le plus de pesticides, bah, prenez les bio, en fait. Alors, sachant que même si vous les prenez bio, il y aura toujours des petites traces. Enfin, ça sera quand même un petit peu. Comment on dit? Vous allez retrouver des traces parce qu'en fait, bah, les pommes sont énormément mangées, en fait. Elles doivent être traitées parce que sinon, en fait, il n'y a que des vers. Bah ouais, et donc du coup ils sont obligés de les traiter quand même un minimum, mais bon, le minimum du minimum pour les pommes bio. Ouais, ça c'est un peu con quoi. Donc le pain lambda, on continue. Donc farine de noisette protéinée, poudre d'amande, on a mis notre miel. Non, bah non. Arrête de parler. Je vais faire fondre un peu de miel. Voilà. Et donc du jus de raisin avec de l'alcool à brûler. Du coup, on va partir sur une bonne cuillère à soupe. En fait, ça va être notre sucre. Comme je veux que le pain il reste plutôt clair, du coup, j'ai pas mis de sucre de coco ni rien parce qu'il est foncé le sucre de coco. Attendez, on va faire cuire comme ça. Oh, c'est relou. J'ai toujours pas mis. En fait, je sais pas quoi faire à mon micro-ondes du coup. En fait, c'est ça qui est relou. Et voilà. Bref, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Voilà, bon bah écoutez, on va le père et fille commencent à s'en occuper. Et donc là, en fait, je vais vous proposer, on va travailler donc ma pâte sucrée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Du robinet qui siffle. Ah oui, mon robinet, ouais. Tu veux l'entendre, monsieur Fabuleux? Attends. Ah non, il siffle pas là. Voilà. Alors, attendez, on va la travailler. Et on va faire l'anneau. Et je vous prends avec moi du coup. Go harceler le voisin à 5 h du mat, ouais. C'est clair. Mais grave, faut trop que je lui fasse en fait. Ouais, non, mais le gars il m'appelle à 7 h du mat, sans déconner. Donc, du coup, en fait, la pâte, bah, vous savez, hier c'est celle qu'on avait fait. Donc, vous avez vu, elle est belle, hein. Ça ressemble un petit peu à la pâte à sucre quand même, hein. Ouais. Alors, est-ce que je peux la. Je l'ai pas travaillée en fait, j'ai juste remis à température. Et après, je l'ai laissée au frigo depuis hier. Alors, attendez. Ouais, ça se travaille pas quand même comme la pâte à sucre, hein. Ça colle encore. Voilà, mais c'est avec ça qu'on va faire l'anneau. Hop. Mais du coup, c'est. Ouais, ça peut être une bonne idée. Oui, mais voilà, ça peut peut-être remplacer la pâte à sucre. Vous savez, sur le visuel. Hein. Score, je crois que je me prépare pour le concours là. Allez, je vais faire un boudin. Et donc, ouais, c'est le plombier. Ouais. Tu penses que c'est le calcaire, ma loulou? En fait, c'est comme ça depuis que je suis là. On va se bourrer la gueule en faisant un mot de doc. Ouais. Mais les gars, si on fait une soirée ensemble, vous allez halluciner comment je tiens bien. Ouais, c'est la vieille, je pense. Non, c'est l'entraînement aussi. L'entraînement, hein, ça joue, hein. Très bien. Bon, attendez, on va continuer. Mais du coup, je suis contente parce que j'obtiens presque une pâte à sucre healthy, quoi. Franchement, c'est génial. D'accord, c'est pas normal que ça siffle. D'accord, ok. Ouais, bon, bah, ok. Donc, c'est le calcaire, alors. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On en fait des petits. Salut, Lucifer. Yo, ouais, comment ça va? Alors, notre petit. On va essayer de faire un gros anneau parce que pour écrire dessus, ça va être compliqué. Alors, attendez. Hop. Du coup, ça. Ouais, la pâte, elle est quand même un peu cassante. Vous savez quoi? Je vais voir pour rajouter. Ouais, on avait mis quoi? On avait mis la crème, la poudre. Ouais. Ok. Ouais, je suis en train de faire mes trucs dans la tête, en fait. Alors, attendez. Et donc, mets du vinaigre. Bah, Loulou, en fait, surtout que je nettoie beaucoup ma maison, en fait, avec du vinaigre. Ouais, je suis spécialiste vinaigre blanc. J'aime bien les produits naturels et tout. Bon, je vous avoue que depuis Covid, il y a de la javel, voilà, à cause du Covid. Mais sinon, c'est que produits naturels. Tu sais, c'est. Donc, vinaigre blanc, j'utilise. Vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate de soude. Voilà, je suis plutôt de ce côté-là. Mais ouais. Donc, je sais pas si c'est le calcaire, en fait, du coup. Ouais, voilà, personnellement, si quelqu'un fait la fête, moi, je ramène juste l'alcool et le gâteau. Ouais, ça marche, ouais. Si vous voulez, je vous prépare les apéritifs. Moi, je prépare l'apéritif. Ouais, l'eau de javel, non, c'est pas naturel, Baloulou. Mais du coup, en fait, bah, vous savez, en fait, c'était que. Il n'y a que la javel qui tue le microbe du Covid, là.
Donc du coup voilà, donc juste depuis à cause du Covid, là du coup j'utilise de la javel. Bah sur les poignets et tout, parce que sinon vous savez, eh bah, il reste en fait le virus. Alors autant vous dire, je ne sais absolument pas comment on va faire pour écrire. Ah, sinon j'écris sur la feuille de papier sulfu et après je mets dessus. Je suis pas sûre. Ok, bah écoutez, on a un premier anneau, on va en faire. Bah il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un seul et unique. Donc on va faire celui-ci. Allez. Je veux bien que tu tiennes. Donc attendez, je vous remontre parce que du coup, c'est pas de la pâte à sucre, hein, c'est voilà, c'est pâte coco. Oh, j'ai faim. Non, c'est qu'il est en train de se nettoyer. Donc moi je prépare mon. Ah, tu prépares ton foie. Ouais, bah oui. Ouais, bah oui. Hein. Ouais, donc hop, attendez. Donc là, nous sommes en train de faire l'anneau pour ceux qui nous rejoignent. Nous allons utiliser la poudre alimentaire dorée. Alors, elle est là. Hop. Ah, mais tais-toi! Ok. Poudre alimentaire dorée et on va en mettre un. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas s'il faut une surface plate. Là, ça colle un peu, donc. On va voir. Et donc, perso, toi, c'est le savon. Ouais, savon Javel. Ouais, un anneau pour les gouverner tous. Ouais. L'anneau de la maîtresse pour les gouverner tous. Mais grave. Alors, attendez. Donc, du coup, on va prendre. Bah, avec quoi je vais. Avec quoi? Ah, mais j'ai pas de pinceau, en fait. J'ai que le pinceau, vous savez. Mince. Bah, attendez, je vous reprends avec moi, parce que le temps que je cherche mon pinceau. Ah, si. Ouais, je vais pas prendre mon truc pour ma coloration. J'ai ce pinceau-là, mais c'est pour ma coloration. Bon, c'est nettoyé, hein. Ouais, bah écoutez, je vais prendre ça. Salut le Lilal! Hey, salut le Lilal! Du coup, je sais pas si je te souhaitais bonne année! Oh non, mais. Bon, celui-là, il faut que je le jette. Hein. Attends, bonne année! L'anneau gastrique de bébé, ouais. Bonne année! Attends, et on dirait un beignet de calamar. Oui, alors attends, non. Oui, mais attendez, on n'a pas encore customisé. Donc là, on va faire le doré. Attendez, on va faire le doré. Vous savez quoi en fait? Ce que je vous ai dit, franchement, je pense que pendant la préparation du gâteau. Ouais, de rien. Rip, un de moins. Alors attends, mais bon, ça va être un peu pénible car si on vient tous chez toi, on est obligé de porter le masque et ça va. Ouais, c'est clair, parce que les gars, du coup, je suis en contact avec les enfants, quoi. Ouais, bah c'est pour ça aussi que j'ai pas vu ma famille au mois de décembre et tout. Je veux pas risquer le moindre truc. Et du coup, j'ai eu ma soeur, ouais, par message tout à l'heure. Bon, on s'est dit quand est-ce qu'on se voit. Mais avec le couvre-feu, là, maintenant, ça va être compliqué. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est toujours pas quand est-ce qu'on se voit. Parce qu'on n'habite pas à côté, hein. Voilà, donc du coup, voilà. Voilà. Ok, alors attendez, bon, je commence à le peindre. Alors attendez, ça donne ça. Ouais, donc on va y aller petit à petit. Pour que ça fasse vraiment doré. Et donc, et Banania, c'est clair. Bon, salut, tu es Chris, comment ça va? Elle l'a perdu. Attends, ce qu'on a la main, il m'a dit quoi? Attends, il a dit quoi, ce qu'on. Il est où? Ah bah non, j'ai pas vu. Bon, bah là, je remonte trop. Bah non, j'ai pas vu alors. Oui, mais Baloulou, du coup, ouais. Donc ma soeur, ouais, elle devait. Si, si, ça y est, Baloulou, elle a déménagé, elle s'est installée, elle a envoyé des vidéos de son chez elle et tout. Elle est super heureuse. Et là, aujourd'hui, elle a une super bonne nouvelle. Parce qu'avec son ex, ça s'était pas très bien passé et tout. Et du coup, elle a une super bonne nouvelle aujourd'hui. Et donc, du coup, elle est juste trop heureuse. Et je suis trop contente pour elle. Ouais, c'est seulement pour 2 semaines. Ok, bah voilà. Donc normalement, c'est début septembre, n'importe quoi, début février qu'elle avait prévu. Qu'elle avait prévu sa pendaison et je vous avais dit qu'on ferait peut-être un stream avec elle. Donc du coup, pour l'instant, bon bah si c'est que 2 semaines, peut-être qu'on va pas faire le stream. Je récupère le miel pour faire notre pain lambasse. Hop. Ce qui nous sert de sucre en fait. Voilà. Ouais, ça va. Oui, ouais, Kiwi Chris. Ouais, la journée s'est bien passée. Ouais, c'était cool. Et du coup, on va récupérer aussi un peu d'huile de coco. Voilà. Et puis, on va mettre de la vanille. Ça va là. Voilà. Et on aura notre. Et après, on formera notre petit carré. Allez, au four. Et puis, ça sera bon. Et du coup, on sera presque bon. On aura juste le fish and chips à faire. Hein. Donc, ouais. Maya les pizzas. Ouais. Alors, du coup, ce que je voulais vous faire, en fait, dimanche, donc c'est pour la journée internationale de l'Italie, en fait, de la cuisine italienne. Donc du coup je vais vous faire 2 pizzas. Je voudrais refaire, vous savez la calzone, celle qui avait gonflé de ouf. Je voudrais refaire celle-ci. Tu mets de la peinture jaune pour faire croire que c'est doré. Non, je te promets, Lolilon, c'est vraiment un truc de ouais, poudre alimentaire dorée en fait. Ouais, voilà. Et donc du coup j'ai donc une en fait qui est vraiment bah calzone en fait, ça sera fermée, mais une autre qui est jolie. Donc du coup non, pas pizza ananas. Non, 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 pas pizza ananas. Non, du coup je vais partir peut-être très certainement sur la roquette. Enfin, je sais pas. Roquette, bah roquette, vous savez, le truc classique mais qui est super joli.
roquette avec, je sais pas, du jambon de Parme et tout. Enfin, des produits, ah ouais, un produit italien avec un bon parmesan et tout. Ouais, ça pourrait être bien ça. Et du coup, on fera un tiramisu. Ouais, je sais pas s'il sera ici ou pas, vu qu'on se rend cheat meal. Donc, je suis pas sûre. Arrête, monsieur fabuleux! Le menu entier, je demande à voir. Oui, t'inquiète. Attends. Oui, je sais, c'est vrai, ces derniers temps, je vous ai lâché. À chaque fois, je disais, c'est bon, je. Alors, attends. Du coup, je continue. Attendez, je vais retourner mon anneau. On va remettre encore un petit peu de doré. Ouais, du coup, comme c'est bien blanc, ouais, faut vraiment que hop, que je clipse. Voilà. Bah, attendez, je reprends mes fins. Comme ça, du coup, vous êtes. Donc, c'est vraiment le doré, hein. Les tagliatelles. Ouais, alors, McLovin, du coup, en fait, je voulais pas faire de pâte. Parce que, du coup, si je fais les pâtes, il va falloir que je fasse moi la pâte. Et j'ai tellement galéré. Merci, Score de la mort, d'ailleurs, hein. J'ai tellement galéré la dernière fois pour faire ma pâte. Je me suis dit, tiens, on va essayer de la faire fastoche ce week-end. Hop. Voilà, donc nous avons l'anneau. Attendez, on va essayer de le remettre en forme. Voilà, attendez, je récupère un peu de poudre de là. Voilà. Et puis, bah, il va falloir écrire dessus. Hein? Merci pourquoi? Ah oui, pour le. Non, bah pour. Non, parce que du coup, McLovin, il me proposait de faire des tagliatelles, mais du coup, je les aurais fait maison. Et je lui ai dit que j'avais tellement galéré avec des pâtes colorées, en fait, avec la pâte des pâtes colorées, là, que non, je t'avoue que j'ai pas envie de faire de pâtes ce week-end. On va faire des pizzas. Ouais, je sais, c'est ma plaque. Attendez. Voilà. J'ai fait chauffer mon huile de coco. C'est ça qui faisait tout ce bruit. Et le chat qui fait des claquettes. Ah oui, qui m'écrit. Ah là là. Je l'ai retrouvé dans une position. Donc le gars, il était les pattes en l'air et tout. Qu'est-ce qu'il était bien. Je kiffe. J'adore quand je le vois comme ça. Je suis trop contente. Ouais, j'adore. Ouh, putain, les potatoes. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Bon, là, elles sont bien. Ok, bon, on va baisser le four. Hop. Ouais, elles sont bien. Elles sont pas cramées, le bouffe. Ouf. Ouais. Et hop là. Ah oui, heureusement. Allez, vous voulez les cocottes? Alors, je sais pas vous. Je vous montre. J'ai une potatoes soufflée. Alors, je sais pas si c'est une technique que j'ai réussi. Mais j'ai une potatoes soufflée. Non, c'est bon, Lalilal. Donc, ouais, j'ai une potatoes qui est soufflée. Attendez, on va regarder les autres. Attendez, j'en ai d'autres. Ouais, elles sont bien là. Bah, en fait, elles sont soufflées. Il y en a qui sont soufflées. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, elle est soufflée aussi. Bon, bah, écoutez. Hein, bon, voilà. Voilà, c'est parfait. Je suis contente. On laisse le four redescendre en température et on va mettre notre lambasse. Bah, il faut que je termine mon anneau là. Du coup, voilà, tous les petits trucs, en fait, ça prend genre une tonne de temps. Donc, je continue à mettre mon doré. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, là, c'est assez doré. Allez, attendez. Hop, je prends mon truc de coco, mon huile de coco. Et ça va. Et donc, bravo. Salut, Pierre-Homme. Essaye de breveter si c'est bon. Ah, tu. Alors, attends. Bah, Pierre. Ouais, lequel? Attends, le lambas. Le lambas, je vous dirai si c'est bon. Parce que du coup, c'est typiquement mes ingrédients. Hop. Donc, farine de coco, hein, je reprends l'huile de coco. On a mis du miel et les potatoes. Ouais, je sais. Ouais, bah oui. Non, je pense pas. Ouais, je pense pas que c'est une technique. Ouais, les pop. Ouais, merci. Ouais, Pierre-M, je pense que non. C'est moi qui me fais mon délire toute seule en fait. Parce que du coup, je n'ai rien fait en fait. J'ai juste mis l'huile d'olive, des épices et j'ai mis au four. Ça va faire pas très compliqué. Donc du coup, ouais, les potatoes, vous les faire maison, hein, c'est hyper rapide. Hop. Ok, on va remettre encore un petit peu d'huile de coco. Ouais, parce que là, j'arrive pas à former la pâte. Oui. Allez, encore un petit peu. Et ça donne où? Salut bien. Mais du coup, je vous ai pas souhaité une bonne année. Donc, Biarem, bonne année. Bonne année. Blablafle. Ouais, bonne année. Il n'y a pas d'ananas. Pourquoi tu veux des ananas? Non, il n'y a pas d'ananas. Du coup, ouais, j'ai même pas mis l'ananas hier pour le stream coco. Par contre, tu as des feuilles de bananier pour faire les lampes d'as après. Ouais, on a les feuilles de bananier.
D'après le film avec deux lambasses, tu manges 2 semaines. Voilà, là c'est ouais, là il y a des nutriments là, hein, monsieur fabuleux. Ok, alors du coup, là je me retrouve un peu. On va mettre ça dans donc carré, hein. On effet carré dans l'ambasse. Si elle nous donne les noix de coco, moi je donne les ananas. T'as vu le stream hier, alors? Ouais, t'as vu le stream noix de coco avec l'ouverture de la kettlebell? Bon pote, surtout. Ouais, bah oui. Vous inquiétez pas, en janvier c'est bientôt fini, on est déjà le 14. Je vais être triste, hein. Ah, bon, je vous trouve un autre truc. Je vais vous trouver un autre truc. Ouais, je suis très imaginative. Et du coup, je me dis que c'est parce que je suis maîtresse, en fait. Une seule bouchée ne tient plusieurs jours. Ouais. Voilà, du coup, ça va être le cas. Alors, attendez. Il me faut une plaque. Mais j'ai... Alors, attendez. De façon, on est d'accord, c'est un truc carré, hein. C'est juste ça, hein. Vous aurez la feuille du bananier pour la présentation. Et une rose, c'est le mois de l'amour. Ouais, février, bah oui, grave. Bon, ce sera un menu Saint-Valentin. Ouais, et donc du coup, je me disais, est-ce que je fais stream, vous savez, que couleur ou je sais pas. Ouais, parce qu'après, c'est un peu surfait, vous savez, les trucs. Genre, bref. Ouais, donc je me suis dit peut-être un stream juste couleur rouge ou rose, un truc comme ça, quoi. Mais bon, ça aussi, c'est un peu kitsch, hein. Ouais, donc il faut que je réfléchisse encore. Et en fait, le voisin. Ah, Kiwi Chris! Bah, le voisin, en fait, je lui parle plus. Hein. Là, je ne l'ai pas croisé, je n'ai pas eu d'appel hier. Donc attention, hier, je n'ai pas eu d'appel, j'étais très con. Si, j'ai eu un appel hier matin. Mais si, je vous ai dit en plus. Ouais, j'ai eu hier. Un menu prout-prout. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai pas envie de faire un menu prout-prout. Bon, je sais pas, voilà. J'ai même pas vu. Mais apparemment, j'ai tout raté. Ouais, bah, en fait, du coup, j'ai ouvert la noix de coco avec la kettle, hein. Avec la kettlebell et tout. Mais du coup, en 2 temps, 3 mouvements, tu vois, c'était fait. Hein. C'était nickel de chez nickel, quoi. C'est trop fort, la fille. Trop, trop fort. Ouais, alors attendez. Hop. Et ouais, donc du coup, ouais, je verrai pour la Saint-Valentin. Hop. Si vous avez des idées. Hey, mais du coup, Sultan, il n'a pas utilisé ses points. Ouais, pour me dire ce qu'il voulait. On va remettre une cuillère à soupe de. Ce qui m'ennuie, c'est que j'arrive pas à ramasser ma pâte là. Ouais, huile de coco, j'ai déjà mis. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre une cuillère à soupe de sirop d'érable. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, on devrait être bon. Ok, et donc menu ça. Ah, cheeseburger? Ouais, mais n'empêche, c'est les meilleurs moments, hein. Le voisin, ouais, il a l'air vif. Ouais, et surtout, bah, je savais pas qu'il était relou à ce point-là, en fait. Parce qu'il m'a toujours remercié d'être une voisine géniale, sympathique, souriante, agréable et tout. Et là, du coup, ben, bah, je sais pas, il a dû oublier tout ça. Pour me harceler comme ça. Eh ouais. Elle se félicite, mais oui, mais j'ai pas de tour... en fait j'ai pas de tournevis, j'ai pas de oui après alors j'ai pas utilisé de tournevis, hein, attention, hein. J'ai utilisé le ciseau, c'était pour faire les yeux. Ah non, score. Du coup non, voilà. Du coup non, pour l'ouverture de la coco ça a été hyper rapide. C'était pour l'ouverture des yeux, ça je suis d'accord, c'était moins rapide. Ouais, ça oui c'était moins rapide. Alors attendez, du coup on y va. On va faire carré, lambda, carré. Bon, non, je vous prends pas avec moi. Du coup, on verra le résultat après. Attendez. Et puis, on va déjà marquer au couteau. Parce que, en fait, c'est pas la texture de la pâte. Normalement, ça doit être bien moelleux et tout. Et là, du coup, c'est avec mes farines, c'est pas moelleux. Donc, on va déjà couper, en fait. On va couper. Ah, bah, tiens, j'ai pour deux. Oh là là, j'ai encore mangé, quoi. Un autre carré, s'il vous plaît. Ah bah non, j'ai l'abonné. Allez, on va prendre celui-là, c'est pas grave. Donc, carrément... Et donc, faut prendre une scie circulaire. Mais non, du tout, vous avez la méthode. Vous avez une kettle, vous avez la méthode. Je rigole. Non, vous prenez un truc qui est... Ouais, j'ai pas de marteau. Vous prenez un truc lourd, quoi. Hop. Très bien. Bon, bah écoutez, ça va partir en cuisson. Donc nous on va être bon, hein. Donc il y a l'œil de sauron. En fait on va faire fondre le chocolat. Je vais regarder là où est-ce qu'elle en est la mousse. Ou sinon on va faire ça sur du papier sulfu. Incroyable. Ah tu l'as vu le clip de la coco? T'as vu? T'as vu comment je l'ai ouverte et tout? Ouais je suis d'accord blabla. Mais grave, mais grave. Faut acheter une enclume. Ouais non mais c'est clair. Mais c'est la vraie vraie technique. Non, je vous ai dit. Je voulais d'abord faire local. Je voulais faire comme eux. En fait, vous prenez la noix de coco et en fait, avec le dos du couteau, vous tapez, vous faites tourner la noix de coco. Et du coup, hop, après, normalement, ça casse. Mais de la manière locale, j'ai pas réussi.
Voilà, donc du coup, on a fait manière sportive. Ouais, ça marche, score, à tout à l'heure. Ouais, ça marche. Hop. Alors, attendez, notre pain, il est là. Voilà. Donc là, on a deux beaux pains elfiques, deux beaux lambas. Et donc, perso, une petite fourrure pour percer, récupérer l'eau. Ouais, je sais. Oui, tranquille, hein. Le Nila, musclé Maya. Ah ouais, musclé, oui. Ouais. Ouais, je sais. Et pourtant, je travaille pas beaucoup, hein. Attendez. C'est juste pour plaisir. Voilà. Voilà. Et donc, la même petite Maya, plein d'amour. Merci, Vétérande. Merci, merci, c'est gentil. Non, le carrelage, tout va bien. Regarde, monsieur Fabuleux, le carrelage, il est nickel. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Alors, attendez, les gars. Hop. Donc, je vous montre. Ça y est, on a nos pains elfiques. On va faire le petit trait, vous savez, au milieu. Hop. On n'utilisera que le petit hein, pour faire le lambas, la photo. Hop. On va le mettre dans le bananier, la ficelle et tout. Comme si on allait le transporter et tout. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Donc, là, on a notre pain elfique version Elsie. Voilà. Avec un grain de riz. Ah oui. Ah. Voilà, du coup, ça gicle de ouf, quoi. On voit très... Ah bah non, vous voyez pas en fait, je suis con. Hop là. Donc du coup, on a l'anneau là qui est en préparation. Mais voilà, on a notre pain elfique. Voilà. Donc là, on va marquer d'un petit trait. Voilà, pour faire comme le vrai pain elfique. Voilà. Et on va mettre ça en cuisson. Et après, on mettra dans les petits... Pour les transporter, petites feuilles de bananier. Faut que je retienne ce que j'ai mis dedans. Je sais plus. Ah oui, on avait dit 3 cuillères à soupe de... On voit très bien. Ok, d'accord. Donc là, c'est bon. Ok. Du coup, je vais enlever les grains. Voilà, celui-ci. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est bon. Allez, il faut vraiment qu'on voit la croix. Et en fait, comme bah, vous savez, la farine, elle. Bah là, en fait, comme il n'y a pas tout qui est bien solidifié, du coup, il y a plein de petites miettes. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc du coup, ça donne ça. Nous avons notre pain elfique qui est en préparation. On va l'enfourner pendant 10 minutes. Du coup, vous voyez là. Ouais, c'est bon. On va l'enfourner 10 minutes. Ouais, 10 minutes, on va voir. Allez, c'est parti. Ok Google, peux-tu me mettre un minuteur sur 10 minutes, s'il te plaît? Et on va peut-être terminer. J'ai fait, vu le pinceau, j'imagine que tu... Ouais, si, je suis une brune. Alors, je suis une vraie brune. 10 minutes, c'est parti. Et c'est parti. Alors, du coup, blabla, je suis vraiment une vraie brune. Mais en fait, ma sœur, elle est venue au mois d'octobre, elle s'était éclaircie un petit peu les cheveux. Et du coup, en fait, je suis partie pour voir, pour m'éclaircir un peu les cheveux. Tu sais, parce qu'en hiver, en fait, du coup, je suis pas bronzée. Alors qu'en été, je suis bronzée, donc du coup, ça me dérange pas, tu sais, d'être brune et tout. Mais en hiver, je suis pas bronzée, donc du coup, ça fait un peu terne, tu vois, c'est brune et avec la peau blanche et tout, c'est pas terrible. Donc du coup, j'ai voulu un peu éclaircir pour, tu vois, pour raviver en fait. Mais je suis une vraie brune. Ouais, avec beaucoup de cheveux blancs, du coup. Et du Alva, ouais. Donc merci Google, ouais, c'est ça. Ok, Google fait du pain elfique. Ouais, mais laisse les cheveux pour éclaircir. Oui, là du coup, en fait, là, je voudrais tester encore juste un tout petit peu plus clair et après j'arrête. Ouais, ça marche, vétéran Dédé. Merci, merci d'être passé. Merci d'être passé, vétéran Dédé. Merci. Ouais, et bon appétit. Le vrai pain elfique, tu en manges 5 grammes, t'as plus faim pour la journée. Bon, celui-là aussi, tu vas voir. Alors du coup, on fait un petit point vaisselle, on va faire un petit point rangement et on va s'attaquer aux fish and chips. Je pense que là, notre pâte, elle a un... Je vais sortir le poisson. Notre pâte, elle a bien reposé là. Ah bah oui, elle a reposé, il y a tout qui est retombé là. Bah oui. Voilà, nous avons un très beau morceau de cabillaud. Alors attendez. Hop. Qui est de la morue d'ailleurs, vous m'avez appris que c'était de la morue. Mon Dieu, merci pour le sub. Alors attends. Ah du coup, c'était. Qui avait. T'avais fait le sub? Ah oui, c'était hier. Oh, merci Lolilal, merci, 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 c'est gentil. Mais you, Germany. Non, from France. Yes, from France. Alors, attendez, je vais ranger là, parce que c'est bazar total. Même pour vos yeux, c'est pas très agréable. Du coup, là, on est bon. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Attendez, ma pâte à baigner, j'ai l'impression que c'est pas bon. Bon, on va voir. Bah ouais, là ça me... Ouais, bah il y a tout qui est redescendu. Bon, on va voir, on va voir. Je vais mettre ça là-bas. Do you have Instagram? Ah oui, il y a Instagram. Hop là, go. Merci les gars. Yes, yes. Les gars, vous pouvez mettre le truc Instagram? Oui, c'est la morue. Oui, c'est ça. Ouais.
Attends, c'est Moru? Moru, non, le cabillaud, c'est Moru, oui, t'as raison, ouais, c'est ça. Il y en a partout. Merci, Baloulou. Merci, merci. C'est Moubot? Attends, du coup, c'est vous qui commandez? How are you today? Ah! Baloulou qui parle en anglais. Yes! En fait, ouais, merci, Baloulou. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, je fais des efforts parce qu'avant, je parlais en anglais, mais. Ouais, justement, ça fait tellement longtemps. Très bien, je suis en train de ranger là, c'est bien. Ça, c'est bon. Ah, on n'a pas mis la vanille dans notre palfic. Bon, c'est pas grave. Ça devrait quand même être bon. Ok, huile de coco, je range. Ouais, désolé les gars, parce qu'après, c'est le foutoir total. Ça, je vais le laver. Et on fait le petit point d'essai. Et après, on s'attaque. Donc, du coup, on va s'attaquer, on va faire fondre notre chocolat noir et on va faire l'écriture elfique. Waouh, là, quel anglais. Arrête, tu écris ça. Ouais, je sais. Je sais. Brian is in the kitchen. Ouais. Non, mais kiwi gris, le pire, c'est que ça se perd, en fait. Ça se perd de ouf. Et en fait, depuis que je suis avec les élèves, bah, depuis que je suis maîtresse, j'ai perdu grave. Bah, en fait, je parle plus en anglais, donc du coup, j'ai perdu. Alors qu'avant, je parlais en fait, dans le métier que je faisais avant, c'était vraiment, je parle anglais et tout. Bon, il faudrait juste que. Voilà. Après, c'était plus le langage un peu technique. Donc là, du coup, je m'en sortais. Mais là, pas du tout. Ouais, tu fais pas des cours d'anglais. Ouais, bah Loulou, attends, je me tâte, je me tâte. Ouais, je me tâte. Pour les cours d'anglais, je pense que. Bon, alors, autant vous dire que. Autant mes élèves sont excellents. On commence les évals demain. Ils sont excellents en français et maths. Autant vous dire qu'en anglais, je leur dis. Les pauvres, quoi. Même l'accent, quoi. Les pauvres, hein. Ouais, ils se doutent pas que l'accent anglais, c'est pas ça, en fait. Mais bon, on demande d'apprendre l'anglais. Voilà, on apprend l'anglais, hein. Ouais, salut Christophe. Comment ça va? Ouais, bah Loulou. Ouais, mais les enfants aussi, en fait. Bah là, ils ont des combats. Bah, en fait, on doit dispenser de l'anglais, en fait. Hein. Mais autant vous dire que, voilà, ils ont entendu que mon accent à moi. Les pauvres. Quand ils vont arriver en Angleterre, ils vont rien comprendre. Ouais. Oui, ça va, merci. Je faisais quoi comme taf avant? Ah, t'étais pas là quand j'avais fait ma. Avant, j'étais dans la finance, du coup. Ouais, avant, j'étais dans la finance et je suis devenue maîtresse. Bah, c'était pas au milieu qui me. Bah, du coup, voilà, je suis partie. J'ai fait quand même plusieurs années là-bas et tout. Et du coup, moi, je suis devenue maîtresse. Voilà. C'était pas un milieu très sain, en fait. Et du coup, en fait, tu te dis, mais tu fais ce métier-là, mais tu sers à quoi, en fait? Voilà. Donc, du coup, c'était plus, tu vois. Ouais, un peu remise en question du cerveau, quoi. Est-ce que tu serais pas mieux autre part à faire autre chose de plus intéressant et de plus humain, en fait? Voilà. Ouais, Doc Pepper. Ouais, donc du coup, j'étais dans l'analyse financière. Salut Lolo, comment ça va? Ouais, tu es la seule bonne nouvelle de la soirée avec le cours. Ouais, t'as vu? Ouais. Non, du coup, j'étais pas trader. En fait, ça, c'est les gars qui étaient en salle. Moi, Alors moi j'étais de l'autre côté en fait. L'autre côté, vous savez, c'est quand bah, vous travaillez sur des sociétés cotées, en fait vous dites justement vous appelez la salle. Donc les analystes appellent la salle. Donc en salle vous avez les sales en fait, les vendeurs, et vous avez aussi bah, les traders en fait. Mais du coup c'est les vendeurs d'abord qui doivent passer les ordres. Voilà, donc vous appelez ou le vendeur vous appelle en fait. Et quand il y a des publications, vous savez, de résultats des entreprises, du coup en fait bah, vous dites comment va réagir l'action pendant la journée. Voilà, donc j'étais dans ça. Voilà, mais je m'épanouis mais 10 fois plus en tant que maîtresse. Voilà. Bon, du coup, en fait, ça m'a permis, comment vous dire, de changer un peu. Ouais, de changer en fait, complètement. Et je suis tellement contente de la personne. Je préfère la personne d'aujourd'hui qu'il y a 10 ans, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Tu me diras, je suis passée les graphistes publicitaires. Ouais, c'est ça, Doc Pepper. Ah, ouais, bah ouais, tu vois, Doc Pepper. En fait, du coup, c'est vrai, tu te poses la question, tu te dis, mais en fait, enfin, à quoi ça sert ce truc en fait? C'est juste, tu vois. Ton frangin, c'est pareil, il était banquier. Ouais, il a tout largué. Bah, c'est ça le leader, parce qu'à un moment, je pense qu'il y a une remise en question. Tu dis, ok, tu fais ça, mais ça sert à quoi en fait? Je sais pas si vous avez vu, bah, typiquement, vous savez, là, donc WhatsApp, en fait, WhatsApp, soi-disant, on les donne à Facebook. Et donc, du coup, il y a Signal qui a été créé. Et en fait, bah, les investisseurs, en fait, il y a des gars, ouais, tu connais en crypto? Attends, non, crypto? Non. Ouais, recoucou. Ah, il y a Gastro, je t'ai pas vu. Bien le bonsoir, Gastro, comment tu vas? Et donc, du coup, en fait, donc il y a une boîte Signal qui a pris plus 600%, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, vous voyez, en fait, les gens, ils réagissent. Ouais, c'est ça.
Ouais, non, donc j'étais sur le petit point bourse, mais du coup, on va se remettre sur le point cuisine. Non, et puis, tout ça pour vous dire que, voilà. Avant, j'avais des couches de merde, et maintenant, je pense que, ouais, je suis plutôt équilibrée, saine dans ma tête et tout, donc je suis très contente. Voilà. Voilà. Ouais. Et oui, mais bon, après, c'est bien de s'en rendre compte, hein, mais après, il y en a qui s'en rendent compte jamais, en fait. Voilà. Ouais. Mais bon, est-ce que c'est. Bah après, voilà, s'ils sont heureux comme ça, ils sont heureux comme ça. Voilà, tout simplement. Bon, je vais arrêter. Voilà, on va arrêter les doléances. Sache, l'argent, le pouvoir. Ouais, c'est ça, après, le truc, c'est qu'après, ouais, effectivement, t'as des sous, quoi. Ouais, c'est pas la paye des enseignants. Non, c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Et donc, quoi, des couches. Ouais, les gens. Bah en fait, les gens, en règle générale, ils ont des couches de merde, en fait. C'est-à-dire qu'ils. Ouais, enfin, en tout cas, dans ce milieu-là. Ouais. Bref, on s'en fout, hein. Oui, mais en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, en fait, il y a beaucoup de gens en fait qui font pas ce qu'ils ont envie, donc du coup, petit à petit, ça crée de, ouais, ça crée des rancunes, des choses comme ça et tout. Et donc les gens, en fait, petit à petit, en fait, ils se mettent des couches de merde, et ils sont plus eux-mêmes, en fait. Bon, bref, on s'en fout. Ouais, merci Kiwi Chris, c'est gentil. Ouais. Sinon, elle n'est pas. Bah justement, ma loulou, donc elle n'était pas à côté. Et donc, il y a des gars. Mais oui, c'est ça, ma loulou. Donc, il y a des gars qui ont quand même. Attendez. Ouais, il y a des gars, en fait, qui ont investi sur une boîte qui s'appelait Signal. Alors que c'était pas la bonne boîte. Les gars, ils ont quoi? Bon, enfin, bref. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut acheter des bitcoins. Ah oui, les bitcoins. J'ai vu que. Bah, en fait, c'est simple, les gars. À partir du moment où on vous dit, c'est maintenant, il faut acheter, c'est fini, en fait. C'est déjà monté, en fait. Hop. C'est ça en fait, à partir du moment où tout le monde a l'info, fini, fini. Ça sert à plus rien parce que du coup, bah là c'est ce qui s'est passé hein, pour tous les. Vous savez, quand on a commencé à parler des bitcoins, c'est tout. En fait, il y a plein de gens qui ont acheté, mais il y en a plein qui ont perdu leurs sous en fait. Ça y est, c'était trop haut en fait. Ouais, c'est trop tard, mais c'est ça, Baloulou, exactement. C'est ça, à partir du moment où vous entendez, faut acheter ça, fini, pas la peine. Très bien, on s'attaque à notre chocolat. Non, on va faire, attendez, on va. Non, on va faire fondre le chocolat parce qu'il faut qu'on fasse la friture aussi. Alors attendez, comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Le chocolat? Parce que non, vous savez quoi? On va faire d'abord le chocolat parce que l'écriture, il faut qu'elle prenne un petit peu. On est loin des lambasses. Attends, Kiwi Chris, ils sont dans le four les lambasses. Attends. La scierie, ça peut être écologique si la forêt est bien gérée. Ouais, ça peut arriver en fait. Et donc c'était il y a 10 ans qu'il fallait. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement notre papa. Hop là. Du coup, voilà. Nous avons nos lambasses, ça sent super bon, j'adore la forme des noisettes, mon Dieu, qu'est-ce que j'adore, c'est trop bon, ça sent trop bon. Et au début du premier, il était à 4 et maintenant il est à 32. Ah ouais, donc là c'est là maintenant en fait qu'ils ont commencé à en prendre. Faut acheter ceux qui veulent. Ouais, c'est ça, voilà. Merci pour le follow, merci Wombat pour le follow, merci beaucoup, merci, merci. Et il faut borer. Alors attends, j'ai pas compris. Alors du coup, oui, non, là c'est bon, on a fait notre ring, notre anneau. On a fait notre anneau et du coup maintenant on va s'attaquer à. Mais ça, il faut que je laisse souffrir en fait. Tant que je ne travaille pas, je laisse souffrir. Allez hop. De toute façon, ça va aller vite, vite, hein, l'huile à cuire. Par contre, c'est le chocolat qui me fait peur. Donc du coup, on va s'attaquer au chocolat. Allez. Alors. On va partir sur deux carrés. Donc du coup, en fait, il nous faut juste l'œil de sauron. Et c'est la noix de Frodon. Oui, c'est la noix de Frodon. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc du coup, il nous faut l'anneau. Alors, attendez. Hop. Et il nous faut l'écriture sur l'anneau. Alors, attendez, autant vous dire que voilà, on va pas faire une grosse, grosse écriture, mais on va écrire un petit peu quand même. Parce qu'il faut laisser le chocolat figé, donc du coup, on va s'y mettre maintenant. Allez, hop. J'arrête pas de dire, allez hop. Non, et j'ai eu un tic aujourd'hui. Oh, c'était tout le temps. Ah ouais, je disais à mes élèves, ok. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas, ça va pas. Ouais, donc j'ai eu un gros tic aujourd'hui. Ouais, c'est dans le fond, monsieur Fabule. Je vais le sortir. L'œil de Sauron, donc McLovin, en fait, on est parti sur une base de tarte. On a fait le crémeux orange, tout en version ici. Hein. Et donc là, du coup, on va faire l'œil. Un moule à tarte. Ouais, je sais, Lolo, mais c'est vrai que j'en ai pas en fait. C'est un prénom très elfique. Oui, voilà, exactement, voilà. Voilà. Alors, attendez. Et moule à tarte, bon, en fait, ouais, j'en ai pas. C'est vrai, je suis toujours dans les emporte-pièces. Mais t'as raison, en fait, il faudrait que je note sur ma liste. Mais t'as complètement raison. C'est quoi le tic? Non, c'est que j'ai pas arrêté de dire ok. J'aime pas dire ok. Tu dis pas aux élèves ok. Et donc, je leur disais ok. Et après, je me suis surprise, je leur dis non, mais c'est bon, j'arrête de vous dire ok parce que. Alors, on va sortir les petits pains. Vous voulez les voir, les petits pains? Voilà.
Attendez, j'attends que ça refroidisse et après je vous les montre. Du coup, on va faire le chocolat. Ben non, en fait, il faut qu'il fonde. J'avais dit 21h. Là, il va être en chocolat. Alors, donc, McLovin, je te dis ce que j'ai mis dans la base. Donc, dans la base, j'ai mis de la poudre de coco. Je vais le chercher d'ailleurs. J'ai mis de la poudre de coco. Ouais, la crème, elle a prise. Donc, du coup, c'est bon, on va pouvoir faire chocolat. Donc, je te montre. Hop là. Hop. Donc, pour la base, on est parti sur poudre de coco. Là, j'ai sorti ma farine Ah ouais, je sais, Gastro. J'ai sorti ma farine de noisette. Donc, du coup, dans la base, vous avez farine de noisette, poudre de coco, il y a de l'huile de coco et du sirop d'érable. Voilà. Et ensuite, on a fait pas citron, orange, pardon. Jaune d'œuf, crème à 4%, du lait, du jus d'orange et de l'agar-agar. C'est un vrai chouïa speed, Maya. Ouais, mais je suis tout le temps comme ça, en fait, les gars. Non? Je suis tout le temps comme ça? Non? Bah mince. Bah oui, c'est ça en fait, c'est ce qu'il m'a dit le médecin hier. Voilà, faut que je me calme. Laissez votre cœur tranquille, enfin voilà, arrêtez de monter dans les tours et tout. Pourtant, je m'énerve pas, hein, je suis quelqu'un de très calme. Et du coup, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, exactement, faut que je redescende les battements. Mais non, en fait, au repos, donc là, normal, en fait, je suis à 74. Ouais, ah merci Lolo, merci, merci. Ouais, du coup, voilà, c'est ça, c'est que du coup, ben voilà. C'est la coco. Ah grave. Ouais, elle m'a donné deux fois, c'est tout. Bon, voilà, donc du coup, on va s'attaquer. On attend que votre chocolat, il fonde. Hop là. Ouais, bon, bah écoutez, ben, en fait, on va couper le poisson. C'est trop, ouais, c'est trop. Non, mais non, mais je suis comme ça, les gars, en fait, du coup. Attendez. Du coup, on va couper notre poisson. Alors, Camillo, au fait, t'as pas dit qu'il te voulait. Ah si, Lolo, je l'ai dit. En fait, du coup, le voisin, il voulait que je l'aide à appeler SFR pour qu'ils reviennent, pour qu'ils réparent l'antenne qu'ils ont coupée, parce qu'il a plus la télé, en fait. Ouais, remarque, elle n'a pas compris la blague. Mais si, la coco, mais si, j'ai compris la blague de la coco. Mais si, j'ai compris. La coco. La coco, quoi. Mais là, c'est la poudre de coco. Ouais. Shoot de testostérone. Ouais, avec quoi? Avec la. Non, la poudre de coco, je suis pas sûre. Non, si tu fais. Attends. Poudre de gingembre, peut-être. Ouais, c'était Kiwi Chris. Ouais, c'est vrai que faire les deux en même temps, tu sais, c'est. Les cocos, elles les éclatent. Ouais, c'est ça, monsieur fabuleux. Là, c'est bon. Je m'en occupe. Alors, très bien. Donc, nous allons faire ce que nous allons appeler un petit point nutrition sur le cabillaud. Donc, nous avons. Donc, la meilleure partie, c'est le dos de cabillaud. D'accord? Et du coup, en fait, la pastèque, salut, salut la pastèque, comment ça va? Et donc, en fait, le cabillaud, donc, il est hyper intéressant nutritionnellement, et vraiment, hein. Du coup, alors, juste pour les calories, vous avez 20 grammes de protéines pour 100 calories à peu près. Donc ça, c'est magique. Si vous voulez faire attention à vos clean, c'est juste magique. Ouais, ça, c'est génial. Ouais, yo la pastèque, ouais, ça va la pastèque? Et donc voilà, et donc du coup en fait donc vraiment ce qui est intéressant, c'est rempli de. Donc déjà vous récupérez l'iode, je vous ai dit l'iode, on en a parlé la dernière fois quand on avait fait les algues. En fait c'est bon pour réguler en fait bref les histoires de thyroïde et compagnie. Donc voilà, donc déjà vous récupérez l'iode parce que tous les jours on la perd, hein, donc il faut en récupérer. C'est pas hyper je crois, non. Ah Christ. Ah si, le cabillaud c'est top. Voilà, et donc du coup en fait voilà, donc c'est rempli d'antioxydants, dont notamment il y en a un, bon bref, on s'en fout. Et vous avez de la vitamine B12 dedans. Et la vitamine B12, c'est super bon. Voilà, pour le gingembre, ah oui. Voilà un résultat venant du web. Ah. Vitamine B12, hein, c'est bien, elle a sorti la vitamine B12. Et donc du coup, ça entretient ouais, les tissus osseux et tout ça. Donc voilà, donc il faut en manger et tout. Hyper cher. Non, le cabillaud Christou, justement, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Ouais, donc non, non, donc du coup, c'est non, c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, je sais plus. Ouais, enfin bref. Donc voilà, donc, en tout cas, au niveau nutritionnel, c'est super bon. Mais je savais pas, il y avait des minéraux et tout dedans. Hein. Ouais, c'est des minéraux en fait, ça. Voilà. Et donc, et des anti. Bref, bah, le point nutrition est fini. B21, tu te fais des shots de B52. Ah, ben bah, Lolina, je viens avec toi. Hein. Moi, je veux bien. Hein. En plus, je kiffe. Il y a de la crème dedans. Je mets du gingembre partout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, normalement, Kiwi Chris, le gingembre, et certains. Ouais, bref, et d'autres, en fait, du coup, comme ça fait monter. Ça fait le sang chaud, donc, du coup, ouais. C'est aphrodisiaque.
Nous avons le poisson, nous allons le couper. Je vais pas faire tout le poisson frire. On va juste faire frire un petit peu, de quoi avoir une petite, voilà, une petite assiette de fish and chips. D'accord? Allez, on coupe. Le poisson surtout, donc si vous l'achetez et qu'il sent pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. Le poisson, ça ne sent strictement rien. Voilà, je le précise. On ne sait jamais. Donc voilà, donc si vous sentez le poisson hyper fort, c'est que c'est pas bon, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Ok, ça je vais le garder pour demain en fait. Du coup, je vais faire juste ce morceau-là et demain à midi, je vais me faire ça. Ah, j'en ai mis partout. Alors, donc je crois que c'est pas très régulier. Hein. Nous, on va faire des, voilà, comme ça, des petits morceaux comme ça. Et pourquoi le mot aphrodisiaque, tu le dis? Ouais, t'as vu. Ouais, parce que c'est trop bien. Mais ouais, je sais pas si c'est vraiment aphrodisiaque. Non, mais l'ambassade, c'est bon. Regarde, le four, il est ouvert. Ah non, le four, il est hein. Voilà. On va se faire des petits morceaux comme ça. Bon, je sais pas s'il y a vraiment des vertus aphrodisiaques, hein, ma loulou. Hein. C'est juste qu'apparemment, ça fait un truc dans le sang, tu vois, ça fait chaud, donc du coup. Mais bon, vous me direz, je sais pas, c'est à vous de tester, hein. Moi, je sais pas en fait. Hein. Du coup, est-ce que vous pouvez essayer de manger genre un gingembre, 10 grammes de gingembre, et vous me dites l'effet que ça fait? Ouais. Non, il n'est pas cramé, Doc Pepper. Gingembre plus miel plus amande pour une meilleure synergie. Oui, ouais, et vous avez aussi gingembre, curcuma et poivre. Pour une meilleure assimilation. Ouais, très bien vu, Doc Pepper. Oui, très bien vu. Alors, on y va, on met notre huile à chauffer. Alors, en fait. Vous n'avez pas le plan. J'ai pas mis à chauffer le chocolat. Du coup, j'ai pas allumé la plaque. On va l'allumer maintenant. Prendre des trucs à. Elle peut s'inscrire au prochain marathon. Ouais, non, mais je sais pas. Non, du coup, c'est à vous de me dire, en fait, les gars. Que j'aime pas mal de gingembre, mais sur moi, ça ne fait pas cet effet. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ça te fait pas cet effet? Quand tu te retournes, il va manger gingembre plus piment matin, midi et soir. Ouais, pour être trompé tout le temps, quoi. Alors, attendez. Hop. Du coup, je mets mon chocolat à fondre. Hop. Bah, feu doux, feu doux. Et puis, bah, c'est parti pour le bain de friture, les gars. Ok, bain de friture. On y va. Donc, on va utiliser l'huile de pépins de raisin. Hop. Et du coup, on va jeter nos. J'espère que la truc va tenir en fait. C'est ça qui me fait peur. Mais d'abord un. Ouais, c'est ça. Mais d'abord un doigt. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, super. J'ai la ref, hein. Ouais, j'ai la ref là. Hein. T'as pas besoin d'aphrodisiaque. Oh, merci Dr Pepper. Merci, c'est gentil. Merci, c'est trop gentil. Hop là. Alors attendez, du coup, je récupère lui. Ouais, lui, il est plus petit en fait. La casserole est plus petite. Hop. Bah, au bout de quelques années, non, tu penses pas? Ouais, au bout de quelques années, en fait, du coup, même si. Non? Je sais pas. Alors, attendez, je mets de la poudre de maca. Ah, t'as acheté de la poudre de maca, toi? Eh ouais, tu sais que je vais l'acheter, ce genre de truc et tout. Et du coup, j'ai dit, je laisse encore un petit peu. Ouais, il y a la saille, la maca, il y a la griffe du chat aussi. Voilà, enfin, bref, il y a des trucs que. Voilà. Je regarde les prix, je me dis, tiens, une prochaine fois. Une prochaine fois. Vous prendrez un whisky, c'est ça, Batou, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Non, juste un doigt. Ok, alors on y va, on met ça à chauffer. Maca connaît point. Ouais, du coup, en fait, tu sais, c'est dans les. Bah, maintenant, c'est dans les super aliments qui viennent un peu partout du monde. Bah, comme la spiruline, tu sais, qui est vachement à la mode, il y a tout ça. Bah, tout ça, en fait, qui vient un peu de. Ouais. Je voulais tester le maca, mais bon, je sais pas. Ah, tu voulais le tester, je croyais que tu l'avais. Attends, du coup, c'est McLovin. Et du coup, McLovin, ça a quel goût, la poudre de maca? Ouais, ça vient du Pérou. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vient de ces pays-là. En fait, chacun des pays a des spécialités. Enfin, un super aliment. Et du coup, moi, une fois, j'ai pris des pilules pour faire pousser les cheveux. Ça n'a jamais marché. C'est vrai, Lolo, t'es chauve, hein? Ça goûte la noisette. D'accord, ok. Ah, ça doit être bon alors. Ah, ça doit être trop bon. Et du coup, t'as commandé. Ouais, excuse-moi, ma Clovin, je viens de voir en fait le truc là-haut. Et donc, du coup, t'as commandé le maca ou tu le trouves facilement à côté de chez toi? Ouais, tu prends la spiruline pour le sport. Exactement, qui veut Chris. Bah oui, c'est protéiné. Hein. Bah ouais. Ouais, la spiruline, laisse tomber. Dans le milieu sportif, fou, fou, fou. Et il y a plein de nutriments, enfin, il y a plein de trucs dedans et tout. Donc, du coup, en plus, c'est une algue et tout. Donc, voilà, il y a de l'iode en plus. Donc ouais, c'est parfait, la spiruline.
Amazon. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Mais tu peux, hein, moi aussi, je commande plein de trucs sur Amazon. C'est que les pas. Ce qui est étrange, c'est que les poils, pas de soucis. Alors, du coup, c'est bon, on va lancer. Là, je lance la friture. Et il faudra qu'on atteigne les 180. Donc, autant vous dire que je ne sais pas quand est-ce que ça fera 180. Mais alors, la petite astuce, on jette un petit peu on jette un tout petit peu de pâte et on voit ce que ça fait, si ça prend ou pas. Et il y a un peu trop de hype sur ce. Ouais, c'est exactement ça, Dr Pepper. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que bah, du coup, j'achète pas en fait. Pour l'instant, je ne suis pas encore passée à l'étape d'après. Alors, j'ai du poisson sur le tapis où il y a l'anneau. Attends, on va peut-être récupérer l'anneau quand même parce que c'est dommage quand même. Salut, la femme démoniaque. Ouais, et faut faire gaffe quand même. Ouais, la spiruline kiwi crise, j'ai vu en fait, faut en prendre juste un tout petit peu en fait par jour parce que sinon ça peut. En fait, c'est hyper fibreux. Donc du coup, ça peut faire pas du bien. Et là, je suis en train de me dire, mon poisson pour demain, bah, je ferai à la poêle. Ouais, donc du coup, il repart au frais. Voilà, je ferai à la poêle. Ouais, je crois que c'est surtout ça en fait. Et tu le fais. Non, Monsieur Fabulo, on a préparé une pâte à beignets. Donc dedans, il y a de la bière, il y a de la bière, il y a de la levure, de la fécule et de la farine. Du coup, on va venir enrober nos hop, attendez. Nos, bah, notre cabillaud. Ouais, bah japonais, ouais, non, c'est que ça peut être pour la digestion, en fait, ça peut être dur. En fait, si tu prends une quantité trop importante, en fait, ça peut pas faire du bien sur ton ventre. Ouais. Du coup, après, je sais pas sur quels effets, mais voilà, je crois que c'est 5 grammes max par jour. Je crois que c'est ça. C'est les 5 grammes, ouais, max. Hop. Ben, c'est comme vous savez, le pollen d'abeille et tout, pareil, c'est hyper bon pour la santé, mais pour des gens, ça peut avoir certains effets qui sont pas bons en fait. Donc, ouais, donc voilà, genre de truc, moi j'évite un peu. Hop. Et le pollen, en plus, c'est super cher. Mais c'est super bon, hein, mais c'est super cher quoi. L'histoire de prédiction que j'ai faite, ouais, je ne sais pas, il y a un clip qui a été fait. Non, NeoGuess, pour l'instant, il n'y a rien qui faille, en tout cas, je tiens à te dire. C'est intéressant. Oui, pour les micros, exactement, ouais. Ouais, McLovin, ouais. Faut faire des cures genre 7 jours. C'est exactement ça, mais grave. Salut Bibiche. Bibiche, ouais, ça va. Je t'ai souhaité la bonne année, on est d'accord, hein. Ouais. Bon, tous les autres, je suis sûre de vous avoir souhaité la bonne année. Mais Bibiche, aussi Bibiche, je pense que ouais. La gelée royale, la vraie. Ouais, c'est ça, c'est hyper bon. Et il faut faire gaffe pour les cardiaques. Ouais, voilà. À chaque fois, il y a toujours un petit truc, il faut faire attention. C'est vrai que c'est relou, en fait. Ouais, c'est relou. Hein. Bon, notre huile chauffe. Le chocolat, on en est où? Allez, pas longtemps pour le chocolat, donc je vous propose, en fait, on va mettre les lambasses. On va les mettre dans les feuilles de bananier. Du coup, c'est un peu. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, on y va. Je le récupère. Pas à côté du poisson. Le poisson, on va le mettre là. Voilà. Et du coup, je vous prends avec moi, comme ça on prépare. Salut Strikone, comment ça va? J'ai plus de 60 000 calories, je te prépare un truc d'enfer. Ah, mais ouais, mais si vous voulez. Ouais, ok. Oui, tu m'as souhaité. Bon, bah c'est bon alors, Bibiche. Ok, c'est bon. Je vais oublier personne en fait, du coup. Ok, coucou. Et on prend moi avec toi. On prend moi avec toi où tu veux. Ah, ouais. Ouais, non, mais. Alors, attendez, du coup, les gars. On a notre lambasse en fait. On va le mettre là en forme. On va prendre de la ficelle. Attendez, hop là. Il me faut une planche. Allez, une planche. Il faut pas rayer. Ouais, ça, c'est pas très. Un peu relou. Ouh, j'ai plus de planche. Planche, si, celle-ci. Allez, hop, on y va. Donc, j'ai glissé. Je t'avais dit, ça me saoule, Maya, que tu me le souhaites. Ah, pardon, Bibiche. Ah, bah ouais, bah, désolé. Oui, c'est vrai. Oui, t'as complètement. Ah, mais attends. Ouais, je suis désolée. C'est parce que ta grand-mère. C'est ma fête, ma grande. C'est pas ma fête. Ouais, c'est ça. Celui du film est moins crème. Alors, Monsieur Fabuleux, c'est la farine de noisette, en fait. Du coup, ça peut faire l'effet foncé. Et mince, j'aurais dû utiliser que de la, comment ça s'appelle? Ouais, de la farine blanche, mais du coup, je voulais pas la farine blanche. Ouais. Alors qu'à la base, je voulais vraiment que ce soit pas foncé, mais bon, du coup, bah, ouais. Donc du coup, j'avais pas utilisé sucre de coco, mais en fait, la farine de noisette s'en est occupée, quoi. Hop. On va essayer de pas le casser, hein. Voilà. Hop, allez! En fait, le porte-pièce, j'aime bien parce que. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. L'autre bruit.
Il va bien. Ouais, Bibiche, il va nickel. Ouais, merci. Attendez, du coup, j'enlève les miettes pour qu'on voit bien l'incision. Hop. Voilà. Très bien, on va le mettre en paquet. Allez, on va le mettre en paquet, c'est parti. Gast biscotte elfique. Mais non, les gars, c'est le pain elfique. Non, vous déconnez. Pourquoi c'est une biscotte? Mais du tout. Mais du tout, du tout. Et attendez, du coup, maintenant, on va l'emballer. On va l'emballer de l'autre côté, parce que ce côté-là est plus joli. Alors, attendez. Donc, comme ça. Merci pour le follow. Merci. Merci, Kiminams. Merci pour le follow. Bon, attendez, je vais l'emballer. En fait, je vais vous prendre avec moi. Hop, ça sera moins. Je vais moins stresser. Parce que du coup, en fait. Non, c'est pas une biscotte. Mais non, les gars. Hop. Voilà. Donc là, en fait, on a une première partie. Et ensuite. Alors, attendez. C'est comme ça? Ouais, alors attendez, c'est comme ça? Voilà, prise de tête. Ok, donc là on est bon, je pense. Ça, ça. Et ensuite on fait le dernier paquet. Mais non, en fait, je comprends pas, je crois que mes feuilles elles sont trop grandes. Non, c'est pas un cracker, les gars. Un presse-papier. Non, vous êtes pas gentils. En plus, ça sent super bon. En tout cas, il sera très bon, mon pain elfique. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de... on aura beaucoup de force dedans. Hop. Protéines, protéines. Voilà. Et du coup, il a emballé. Ouais, alors c'est bon, je l'ai emballé. Attendez. Je suis concentrée. Voilà, je suis concentrée. Je parle plus. Voilà, donc les gars, si vous voulez que j'arrête de parler, il faut que je sois concentrée. Donc, posez-moi des... Ok, donc du coup, on a notre petit lambda. Là, il est emballé, en fait, du coup, là. Mais on va le ficeler. Attends, on va le ficeler. Pour que ça fasse vraiment le pain. Faut le manger avec la feuille. Non, pas sans la feuille. Mais non, du coup, tu sais, il est dans la poche, en fait. Il le sort de sa poche et puis il mange. Debert n'a pas bien, n'a qu'à bien se tenir. Ouais, surtout que Debert, je crois qu'au niveau de la compo, ils sont pas très bons. Hein. Ouais, ils vont bien se tenir, c'est clair. Attends, faut faire une fleur en origami. Arrête, Kibikris, tu veux que je sois en PLS au niveau du cerveau? Une fleur en origami? Tu vois, typiquement, je n'ai jamais appris les origami à mes élèves. Je ne peux pas, en fait. Et du coup, il y a des japonaises qui étaient venues. Il y avait des japonaises qui étaient venues dans mon. Bref, la fac pour devenir enseignant où j'étais. Et du coup, elles avaient ramené des origami parce que chez eux, en fait, ils en font beaucoup. Et c'est pour porter bonheur et tout. Il y en a une qui a essayé de m'apprendre. Elle a arrêté, hein? Ouais, du coup, en fait, non, je suis pas très. C'est pour ça que je pense que j'ai des soucis. Vous savez, quand on a fait les samosas la dernière fois et tout, je sais pas, je pense que. Au niveau. Comment on appelle ça? Espace, enfin je sais pas, j'ai un souci. J'ai un souci. J'ai un souci. Ouais, mais non, il est joli. Attendez, là je suis contente, il est joli. Attendez, je vous le montre. Ouais, parfait. Ouais, parfait. Donc, hop. C'est bon, la bouffetaille. Il y a la ravitaille là. Un piège à souris. Un piège à souris dessus. Attends, sur qui? Trouble spatio. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais du coup, c'est vrai que j'ai du mal à visualiser. En règle, ouais, bref, des trucs comme ça, je peux pas en fait. Attendez, hop. Putain, 3 quarts d'heure pour fermer quoi. Ouais. Et voilà, nous avons notre joli pain effet. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, je sais pas, on fait ça comme ça. Ouais. Allez! Voilà, donc nous avons notre pain elfique. Regardez du coup. Il est joli, hein? Donc il est emballé là. Il est nickel. Il est prêt à voyager. Il y a de l'île. Ouais, je sais, bah, on va s'en occuper. Du coup, on va jeter. Donc voilà, il est prêt à être emballé. Et du coup, on va laisser l'autre à côté, en fait. Hein. Ah, il est où? Je sais pas. On verra. Donc c'est le chocolat qui bouge. Non, c'est pas le chocolat. Du coup, je vais récupérer. Non, c'est. Oh là là, il y a trop de trucs à faire en même temps. Parce que le chocolat, il faut qu'il fige, en fait. Alors, attendez. On va récupérer le chocolat. On va faire l'œil de Sauron. Là. Je vais laisser l'huile. Tant pis. Vous savez quoi? Je vais le mettre un tout petit peu de côté.
parce que là, il faut vraiment que je fasse le chocolat pour que ça fiche, sinon vous aurez pas le... Tu me l'envoies? Ouais. Tiens, bah, Loulou, tiens. Ouais. Donc l'anneau... l'anneau, non, je vais pas le faire cuire, ma colline. Du coup, en fait, on va dessiner sur du papier sulfu. L'écriture elfique, mais il n'y a plus qu'à aller... Ouais, manger en Nouvelle-Zélande. Et là, on va faire l'œil de Sauron. Alors, attendez. L'œil de Sauron, on va récupérer ça. Hop. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, c'est un crémeux orange avec une pâte. Une pâte toujours. J'ai pris la farine de noisette à mort, donc il y a la protéine à mort. Voilà. Voilà, donc là pour l'instant on a le début de l'œil et on va couler du chocolat. Donc pour couler le chocolat, je vous ai montré, je prends les emporte-pièces pour bébé de la semaine prochaine. Hop là, on va prendre son poisson. Du coup, attendez, je vous remontre pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Voilà, donc du coup on va prendre ces emporte-pièces là. Ouais, ça a écrit une fille, t'as vu hein. Tu le fais flamber. Non, je vais pas faire flamber. Non, non, tourne. Là, on va le couler. Allez. Par contre, du coup, j'ai peur que ce soit un petit peu trop épais. Non, on va le faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Vous voyez? Bon, là, je vais pas le faire parce que le truc est trop petit. Mais du coup, on va couler un tout petit peu de chocolat. Lol, trop speed, je vais me coucher. Hein? Ouais, ça marche. Bonne nuit, gastro. Voilà. Et voilà, donc du coup, on va juste le mettre là. Et on laisse figer. Du coup, c'est génial. Super. Bon, bah attendez. Donc, on va, du coup, je le laisse comme ça. Et on regardera à la fin du stream. Alors, attendez, parce que du coup, il faut vraiment qu'il soit en forme d'œil. Attendez, je vais le travailler. Je vais le travailler. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez. Écoutez, ouais, bah écoutez, on va voir. Du coup, là, c'est bon. On va le laisser figer, là, son plan de travail. Et on va s'attaquer à l'écriture. Attendez, hop là. Ah, merci, merci, merci. Merci, les gars. Merci, Lolilol. Du coup, attendez, hop là. Hop, hop. Et voilà. Je me dis que j'ai encore plein de trucs à faire. Donc, nous allons faire l'écriture. L'écriture, l'écriture. Ouais, l'œil de saumon. Oui, c'est vrai. Excellent. Alors attendez, du coup je me dis que pour l'écriture, voilà, j'ai mon petit cône. On va mettre le chocolat dans le cône et en fait je vais écrire le truc elfique. Ah mais attendez, je vais prendre ma feuille. Et en fait je vais repasser par dessus. Lui c'est transparent. Et bah oui. Bah oui. Je vous montre, bah vous allez voir ma feuille, en fait vous allez voir mes petites notes et tout. Alors attendez. Donc elle est là l'écriture. Hein. En plus j'ai scotché et tout, mais oui. Hop là, alors attendez, quel artiste, il n'est pas orange, arrête, mais l'œil, non, l'œil, il est, mais si c'est orange, attends ici, c'est orange, non, Japanese Demonium, alors attendez, du coup, on va prendre notre cône, je vais mettre du chocolat dedans, rouge même, il est rouge, non, il est jaune, jaune-orange, ah mince. Ah, il est violent en plus. Tu veux qu'on parsème de, d'orange? Ah, d'accord, ok, merci la panne démoniaque. D'accord, ok, j'ai eu peur. Alors, attendez, donc là, l'écriture elfique, elle est là. On va mettre du scotch. Le scotch, il est là. Hop. C'est comme les... Vous le sentez... Arrête, Doc. Ouais, moi aussi, je le sens. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Ok, là on est bon. Voilà, j'ai scotché. Pas bien. Hop. Bon, de toute façon, on rate et on gagne tous ensemble. Hein. Donc on y va. J'ai trop peur. Je sais pas. Ouais, parce que j'ai peur que ça coule comme ça d'un coup. Alors, attendez, on va voir. Et comme ça, du coup, ça va figer le temps qu'on fasse. Et après, on le mettra sur l'anneau. Je sais toujours pas comment on fait un cône. Voilà, là on est bon. C'est parti les gars, vous êtes avec moi. J'ai trop peur. Mais grave, concentration, concentration quoi. C'est quand il est en manque de vitamine cette couleur. Ah oui, mince, il me semblait que c'était... Ouais, donc là il est jaune en fait. Ouais, il aurait fallu que je mette plus de...
Ouais, du coup, je voulais pas mettre plus de zeste, mais j'aurais dû mettre plus de zeste. Bon, tant pis, allez. Non, le prochain stream McLovin, c'est dimanche et c'est. On part en Italie. C'est la journée internationale de la cuisine italienne. Du coup, on va faire une calzone, une autre pizza et un tiramisu. Donc, le tiramisu, ce que je vous disais en version healthy ou pas, je sais pas. Vu qu'on est en cheat meal, hein. On dirait un blunt. Un blunt? C'est quoi un blunt? Ouais, il y a un gros boom, je sais pas ce que c'est. Ouh, il y a des bruits en ce moment, je vous raconte pas. Ok, alors du coup, je pense que je vais pas y arriver du tout. Allez, on essaye. Non, j'y arrive pas, les gars, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Le roulage est sponsorisé. Non, c'est clair, salut la main à la pâte pour faire un con. Il faut un angle droit, je l'ai l'angle droit. Il est là. Hop, ensuite comme ça, et ensuite comme ça. Bon, je crois que je vais en acheter un en fait. Hein. Franchement, j'en ai marre des les cônes, là, les papiers et tout, j'y arrive pas. Hein. Hop. Une seringue. Ah oui, quelle bonne idée! Mais quelle bonne idée! Mais quelle bonne idée! Merci les gars! Mais vous êtes trop forts! C'est grâce à vous! Donc, du coup, on va utiliser ça à plat. Donc, on va mettre notre chocolat dedans. Voilà! Merci, merci Monsieur Fabuleux. Alors, du coup, on va faire notre écriture. Hop là. C'est parti. Gros caca. Ouais, sauvé. Mais du coup, ça fait en fait grosse, grosse. En fait, c'est. Je vais regarder si j'en ai pas des plus petits. Ouais, l'anneau, il va être trop petit en fait. Ouais, ça fait grosse écriture. Bon, écoute, on va essayer de faire un truc qui ressemble. Hop. Ensuite, il y a un grand Y, un grand J qui descend. Voilà. Il y a un O. Non, le truc, il est trop épais. Bon, c'est pas grave. Hop. Non, touche, faut que tu touches. Et après un G. Bon, hop, hop là. Hop. À peu près. Avec une pipette. Petit gros caca, c'est clair. Ouais, ça va être galère. Ok, bon bah écoutez, de toute façon, comme d'habitude, vous savez, l'intention y était. Attendez, on va essayer comme ça. Non. Ouais, voilà. Donc là, non, attendez. Je sais pas si j'ai une autre. Je crois que j'ai des mini pipettes. Alors, attendez, j'ai des mini pipettes. Elles sont ouf. Où est-ce que j'avais vu ça? Je crois que j'ai vu ça quelque part. Attendez. Bah, attendez, je vous reprends avec moi parce que du coup, je sais que j'ai des mini pipettes. Mais où est-ce que. Ah, je sais! J'ai des mini pipettes, j'arrive! J'arrive! Que voir en plissant tes yeux, c'est presque parfait. Il aurait fallu faire un pochoir. Ouais, bah en fait, du coup, j'ai même pas pensé. Je pensais que tu sais, avec le cône, ça allait être hyper facile. Ouais, bah, faut. Ouais, je sais, Vince, faut apprendre à faire le cône. Je reviens, j'ai une mini pipette. Ouais, merci, Doc Pepper. Attendez, je sais. Ouais, voilà, ok. Attendez. Celles-ci, elles sont petites. Voilà, donc du coup, normalement, peut-être. Voilà. Allez, on y va. Ok, donc ça c'est mini-mini. C'est du halfic. C'est pas grave, c'est l'halfic, ouais. Alors, on y va. Avec la mini. On refait un test, je vous reprends avec moi, on refait un petit test. Ah bon, après, sinon j'arrête, hein, tant pis. Tant pis pour l'anneau. Alors, du coup, on va décaler, on va prendre un nouveau papier. Hop, celui du cône. On va le rescotcher. Il est là, le scotch. Et pourtant, en fermant les yeux, d'accord, c'est dit. Ah ouais. Pourtant, avec un rectangle de sulfure, en rejoignant. Ouais, je sais. Je sais. Oui, je sais. Mais je suis nulle à ça. Je suis archi nulle à ça. Du coup, il faut vraiment que j'achète un instrument. Je sais pas s'il y a un instrument à cône, mais. Voilà, il faudrait que je le fasse en fait. Allez, on y va. Donc là, j'ai le petit. On l'a pas encore vu. Ouais, le chat, il est pas là.
c'est vrai qu'il est pas venu. Et il faut qu'il passe la semaine prochaine quand on va faire les friandises. Hein. Alors, on y va. Hop, je mets juste l'huile à chauffer. Et comme ça, après, on est parti. Allez, dernier essai. Ah! Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux? Allez. Vous êtes concentré comme moi là? Eh, ça le fait, non? Vous le voyez ou pas? Et donc du coup, lol, silence, ouais, vous avez vu, prends un stylo pile, non mais c'est clair, non mais on aura de l'elfique vert. Non, arrêtez les gars, regardez comment ça fait. Alors attendez, hop là, on va juste, on enlève? Ouais. Attendez, ouais, je sais la main à la pâte, ouais, je sais, mais ouais, j'aurais dû faire plus gros en fait. Mais l'anneau, il est trop petit alors. En fait, c'est l'anneau qui est trop petit. Hop. Bon, je vais pas vous saouler avec ça, tant pis, hein, tant pis. Hein, sinon, voilà, c'était pour faire un test. Écoutez, ça aurait été sympa quand même qu'il y ait l'anneau. Voilà, donc à chaque fois dans mon imaginaire, je pense à des choses, mais est-ce que je peux le réaliser, moi? Allez. Bon, je vais laisser un peu prendre, on verra. Si ça a marché, je vous le mettrai sur la bague. Bon, ben voilà, écoutez, je vais déjà laisser. Voilà, je vous reprends avec moi un anneau pour tous les déconcentreurs. Ouais, je suis désolée, merci les gars. Parce que du coup, ça fait silence total. Il y en a pour 20 ans. Ouais, non, c'est clair. Ah, tu vas te mettre en full screen pour regarder. Arrête, mince, il a fait sa pause brisée. Je vais laisser sécher. Je laisse sécher les gars. Donc, du coup, vous n'aurez pas l'anneau. Mais si ça tient bien sur l'anneau, du coup, je vous prends la photo. Là, lui aussi, je le laisse sécher en fait. Là, je les laisse tous sécher. Hop. Bah vous avez vu les courses en fait, ouais. Ouh, fais attention, fais attention. Fais attention, fais attention, fais attention. Voilà, on va laisser sécher tranquille. Hop. Et du coup, bah c'est parti. Pâte à beignets. Allez. Allez, allez. Les calories, les calories. Non, mais en fait, il y aura juste 3-4 morceaux de... Bon, en plus, au cas bio, c'est pas du tout calorique. Mais au congèle. Ah oui, la main à la pâte, t'as raison. Ouais, je vais mettre au congèle, t'as raison. Alors. J'ai tellement peur de lui... Ah non, c'est lui. Ouais, mais c'est sur papier. Hein. Alors, vous savez ce que je suis en train de dire, c'est que pour récupérer l'écriture, comment je vais faire en fait? Bon, j'ai mis la feuille au congèle. Écoute, on verra. Très bien, on y va pour le poisson. C'est parti, on va préparer une assiette. Je vais préparer une assiette avec sopalin. J'espère que ça va faire des super beaux trucs. Hop, le chat va marcher dessus, ouais. Si ça marche pas, écrit direct, non mais c'est... Ah, McLovin, ouais, oui, oui, merci. En plus, c'était ça que je devais faire à la base. Hein. Écrire direct. Mais après, je me suis dit, tiens, ce papier soufflé, ça peut être pas mal. Mais tu as complètement raison, en fait. Mais complètement. Je vais le faire. Mais oui, mais oui. Mais j'ai plus l'écriture devant moi, au secours. Alors, attendez. Je vous le ferai pour la photo, d'accord? Ça vous va, les gars? Parce que là, du coup, on s'approche les... bientôt 21h. Ok, il va falloir que je vous laisse. Alors attendez, on y va. Donc là, j'ai trempé le poisson. Donc pour ceux qui nous viennent, en fait, c'est une pâte à beignets. Donc dedans, il y a de la bière. Nous avons mis hop, de la bière, de la farine, de la levure. Hop, on englobe bien. Et donc, on va faire un fish and chips. Donc j'aimerais bien que ça ressorte tout lisse, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne fais pas de pâte à frire d'habitude. Voilà. Bon, bah écoutez, advienne que pourra. Ah, ça va être ma phrase. Advienne que pourra, ça vous va?
pour le décoller, je pense que la pince à épiler. Ouais, je sais. Ouais, non, mais grave. Là, du coup, ça va être très très mince. Ouais, je suis d'accord. Allez, hop. Ça va être compliqué. Et du coup, les potatoes, ouais, je sais, Mofi. Mais après, j'ai l'habitude. En fait, je réchaufferai après. Je réchaufferai quand je vous quitte. Ouais, 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 je sais. Oui, ça va être froid. Du coup, on va prendre notre petit panier. Hop. On a notre petit panier. Hop là, vous vous souvenez? Et donc, lui dit pas « eBay stuff fail ». Ouais, non, mais c'est clair, hein. Oui, mais ça serait bien, les gars, aussi, que vous reteniez qu'il n'y a pas que le eBay stuff fail. Il y a aussi le eBay stuff des plats réussis, quand même. Oui, oui, oui. Alors, attendez. Ok, ça c'est bon, et du coup je vous propose de lancer les pop-pop. Donc ouais, on va, voilà, donc on va, voilà, je vais rester sous la pluie de pop-pop. Attendez, c'était comme ça, c'était comme ça. On lance les pop-pop. Allez, c'est parti. Ok. Bon, en fait je crois que la pâte à baigner, elle a pas marché, ça a pas l'air de tenir le truc. Attendez, on va regarder. Mais pourquoi? Oh. Mais non, elle n'a pas tenu la pâte à baigner. Oh là là. Bon. Donc du coup, c'est du poisson frit, quoi. Pop, pop. Ouais, le diable. Ouais, grave. Ah non, c'est pas cool. Pourquoi ça n'a pas tenu, hein? Alors, attendez, je vous montre parce que du coup, je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Fallait que je mette dans la farine peut-être? Oh, fallait mettre de la farine? Ah bah oui. Ah bah merde. Ouais, bah du coup ça fait... fallait le rouler dans la farine en fait. Ouais, tu as bien... Ouais, non, bah non. Bah non, j'ai pas mis de panure. Bah non. Moi j'ai la pâte à baigner, pour moi ça me suffit. Ok. Bah non en fait. Bah oui. Voilà. Très bien. Mais du coup, c'est quand même joli. Ouais, parce que bah, c'est, voilà, j'ai du poids. Ouais, c'est quand même joli, hein, regardez. Attendez, on va remettre à chauffer parce que du coup, ça donne ça. Ça va. Ouais, merci, ma loulou. Merci, ma loulou. Ouais, mais vous vous rendez pas compte, j'ai trop de choses à faire en même temps. Attendez. Ouais, il y a trop de choses à faire en même temps. Ouais, attendez, je mets les popcorn et j'arrive. Je vous reprends avec moi parce que du coup... Je vais laisser griller un petit peu. Voilà. Donc, prédiction, c'est vrai, vous avez gagné ou pas? Oh là là, un secours. Allez. Hop. Bon, écoutez, les gars, on t'avait dit farine. Ouais, je sais, monsieur Fabuleux, mais du coup, j'ai pas. Sans aucun. Fallait bien aussi l'éponger sur du sopalin pour virer toute l'eau. Ouais, bah écoute, la main à la pâte. Du coup, c'est la première fois que je le fais. On refera une deuxième fois si vous voulez. En fait, c'est pas mon truc, là, le truc à baigner, frire et tout. C'est vraiment pas mon truc. À tard plus si le live finit d'ici là. Ouais, ça marche. Du coup, t'y vas, Doc Pepper? Avec tout ça, je vais aller manger. Ouais, moi aussi. Bah, de toute façon, du coup, les gars, là, attendez, on va récupérer ça. J'attends un petit peu et on va aller chez Score. Ouais, mais il y a tout qui se barre, en fait. C'est bon, mais il y a tout qui se barre. Ok, on a les potatoes, on a l'œil de sauron, je vous montre ça. Je suis dégoûtée, comme d'hab en fait. En fait, c'est pas ça, c'est que ça me saoule en fait. Je prévois des trucs et ça marche pas, quoi. C'est nul, hein. Je suis nulle. Mais c'est pas grave, on rigole, hein. Hein, hein. Ouais, salut, bonne soirée. Merci, merci Doc Pepper. Merci d'avoir été là. Attendez, je récupère mon œil. Non, mon œil est très joli quand même. Vous savez quoi? Je suis fière de mon œil. Donc, du coup, on a au moins ça. Nous avons le pain et le fig. Ah, mais non! Voilà, donc c'est bon. On n'a pas tout raté non plus. Allez. Et de toute façon, vous m'avez dit que le fish and chips, hein, il n'est pas... Il n'est pas dans... Voilà. Donc, du coup, j'ai voulu vous écouter. Ouais, vous m'avez dit qu'il n'était pas dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ah, tout à l'heure. Ouais, c'est coupé. Pas cool. Parce que du coup, ça faisait bien là, sinon. Hop. Oh là là! Voilà, nous avons mon œil. Donc du coup, je vous montre l'œil. Il est là.
Bon, ça va, c'est quand même pas mal, hein. Qui a dit menu entier? Ouais, c'est clair, hein. Ouais, je suis pas nulle, non, non, du tout, pas du tout, mais c'est vrai que ouais, je finis jamais à temps, dans les temps, en fait, hein. J'ai mon temps qui est très très mal estimé. Regardez comme elles sont belles quand même, hein. Qui a dit un menu entier? Ouais, non mais grave. Nous avons le pain elfique, du coup. Voilà, je suis désolée les gars, c'est parce que je vais vous laisser. Je vais récupérer un petit peu de poisson, on va voir. Attendez, hop là. Je vais récupérer un peu de poisson. Ouais. Ouais. Bah non, en fait, non, non, non. Ça me saoule parce que là, du coup, ça devient du poisson frit, quoi. Ah, ça me saoule. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas moche non plus, mais du coup, je le prendrai pas en photo. Bah si. Bon, je veux pas appeler ça fish and chips. Du coup, je vais tricher, je vais appeler ça poisson, poisson. Poisson poché. Ouais, merci, merci, monsieur Fabuleux. Merci, merci. Oui, poisson poché. Ouais, merci, merci, monsieur Fabuleux. Ouais, t'as trouvé. Ouais, merci, poisson poché. Ouais, grave. Le poisson de Gollum. Poisson cru de Gollum. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, du coup, attendez, hop, j'attends que l'huile. Ouais, donc c'est joli. Dans... Ouais, merci, merci, dans les petits paniers. Attendez, on va mettre. J'ai pas de papier. Non, si. Ouais, non, j'ai pas de papier. Voilà. Non, c'est pas joli ça. Attendez. On va mettre juste un petit. Voilà. Très bien. Et on va mettre le poisson dedans. Et ensuite, je vous montre ce qu'on a préparé. Ça vous va? Et après, du coup, je vous laisse, les gars. Je vous souhaiterai une bonne soirée. Hop. Et je vous dirai à dimanche, du coup. Dimanche, dimanche, dimanche. On part en Italie dimanche, hein. Pizza, pizza. Ouais, ça va être bon. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, du coup, ça fait des morceaux de... Voilà, mais c'est le poisson de... Il a pas frit. Si, bah, non, c'est la pâte. Donc du coup, je vous montre les gars. Ouais, donc là, on est bon. Donc là, nous avons l'œil de sauron. C'est du poisson poché, voilà, c'est ça. Donc là, nous avons... Attendez, je vais nettoyer un peu le plan de travail quand même. L'œil de sauron, nous avons notre pain elfique. Attendez, ça, c'est le dessert. Voilà, faut que je nettoie là. Là, nous avons... Hop, notre fish and chips, notre lambasse. Et bah écoutez, notre anneau qui n'est pas encore fini, mais qui va bientôt l'être. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc là pour le menu, on en est là. Et du coup, nous avons l'anneau qui est là. L'anneau. Mais il y a le chocolat pour ceux qui nous rejoignent qui est. Ouais, parfait à table. Ouais, il y a le chocolat qui est au congèle. Voilà. Voilà. Du coup, je vous reprends avec moi. J'espère que. Bon, bah en vrai, j'ai passé un super moment avec vous, donc j'espère que vous aussi. Ouais, grave. Merci, merci, merci d'avoir été là. Merci pour les follow. Merci, merci, merci. Et bah écoutez, on se retrouve. Et merci pour le don en fait, du coup. Si tu mets l'anneau, tu disparais. Ah, non, je crois pas. Ouais, merci à vous. On se retrouve du coup dimanche. Dimanche, ouais, vers 10h30. Hein. Et voilà. Non, merci Kiwi Chris. Du coup, voilà, si vous la panure, vous savez la faire, du coup, ça sera mieux. Voilà. C'était presque... Oui, si, si, je pense que c'est réussi quand même. Ouais, il manquait juste la farine, quoi. Et ouais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, bonne app. Ouais, ça marche. Non, 10h30. Bah Loulou, je vais essayer d'être à l'heure parce que je ne vous aurais pas vu depuis jeudi et tout. Je vais attendre, il faut quand même que je sois à l'heure. Ouais, la sauce fish and chips. Ah, pas bête. J'ai pas pensé, Japon Demonium. Du coup, j'ai de la cream cheese, je mettrai des cornichons. Ouais, j'ai pas pensé. Du coup, ça vous va? On va chez Score? Ouais, je vous envoie en raid chez Score. Voilà, bon, très bonne soirée à vous. Et je vous dis, bah, du coup, on se retrouve dimanche. Voilà, bonne soirée à vous. Et merci encore, merci, merci. Du coup, je resterai pas, les gars, hein, je lance le raid et voilà. Et c'est parti, on lance le raid. Ah, il fait la Russie! Ouais, des bisous! Il fait la Russie, du coup. Bon, bonne soirée à tous, bon vendredi, bon samedi, des bisous. Du coup, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, on est arrivé. C'est bon, c'est bon. Hop là. Allez, bonne soirée, au revoir.